Yes, ça a l'air de fonctionner là. Bon, c'est bon, je vais pouvoir passer à... Yes <laughs> Bonjour <laughs> Bonjour à vous, comment ça va donc là vous voyez cette fois-ci je suis à l'heure à peu près. <laughs> j'ai eu le temps de travailler la technique. A priori le son doit fonctionner, j'espère en tout cas. Et euh, merci à vous d'être là. Donc là j'ai plusieurs écrans, c'est pour ça j'alterne, je, je, je regarde la caméra et je regarde en même temps OBS et puis les autres fenêtres, hein, et puis le chat et tout ça. C'est vrai qu'il y avait une petite musique d'attente je, je, alors euh, là je suis en train de, de découvrir un, un tas de choses, c'est euh, comment, euh, comment ça marche les, les overlays et tout ça de, pour les streamers. Là. Donc là j je suis allé explorer un truc qui s'appelle Stream Elements que j'ai utilisé avec OBS et donc là j'ai pris un un Template, hein, donc c'est pour ça que vous avez, avez l'impression que c'est super chiadé là, mais en fait <laughs> c'est juste un template. J'ai rempli de trois trucs, et donc voilà. Donc ça donne un truc euh, plutôt bien et ça me plaît bien. Et euh, alors, oh là là, vous êtes nombreux là. Bonjour, euh, bonjour, Robbie, bonjour, Yol, bonjour, Soupafly, Robbie, euh, Stéphane, Seb euh, francos Franco, Nathan, Nathan, Marty, Yann, Yann, Slim Tom, Tom, Raider, <laughs> pourquoi pas. Pépé le putois, euh, Boyd Astra, Sylvain, bonjour. Euh, J'oublie personne, là, Baptiste, Baptiste Rochette, bonjour. Bonjour Tim. Tim, tu as regardé euh, toutes mes vidéos, là. J'ai vu que tu avais posé un commentaire sur chacune, chacune des vidéos, c'est super sympa. Euh, Alix et Juanito, bonjour à tous. Alors j'espère que vous êtes prêts. Euh, alors comme dame on va, on va essayer de... Euh, on va essayer déjà euh, des petits tests pour le son. Et puis, euh, et puis après on va parler à la cool. On a, on a un peu de temps là, on a un peu de temps avant le début de la conférence. Bonjour Cédric et puis on va parler un peu de, euh, bon, de, de Hasselblad et puis euh, de OnePlus et tout ça quoi. Donc bonjour Loïc, bonjour Vincent, bonjour Cédric, bonjour euh, Anoufouroune, David, Brice. Ah oh, y a Brice, sans blague. <laughs> Brice, un jeu vidéo magazine est dans la place. <laughs> Envoyez lui plein d'amour. <laughs> Alors, ah, c'est vrai, Baptiste, tu me regardes sur OnePlus. Ah, bah, ça va être, ça va être intéressant parce que j'ai jamais utilisé de OnePlus. Bonjour à bonjour Ahmad. Mad. Euh, j'ai jamais utilisé de OnePlus, mais ça m'a l'air très très bien. Donc, peut-être que toi, tu pourras nous donner un petit, un petit retour d'expérience par rapport à ça. Et, euh, mais en tout cas, cette conférence-là, je l'attends. C'est un des smartphones que j'attends le plus de cette année. Et euh, C'est vrai que la dernière fois, les dernières fois, on a déjà vu les Samsung Galaxy S21 qui étaient, qui étaient super bien, les Xiaomi qui avaient fait fort. Euh, dernièrement, les, les Oppo Find Find X3, euh, j'étais comme ça. Mais là, je ne sais pas quoi sur, sur OnePlus là. D'après ce qu'ils ont présenté jusqu'à présent, à mon avis, ça va être ça va être énorme. Ça va être énorme. Pour la, je, je pense que pour pour une fois, il euh, y a des smartphones qui me font plus envie que le iPhone. Euh, c'est vous dire, c'est vous dire l'attente que j'ai sur, euh, sur ce, euh, ce smartphone là et euh, bon <laughs> donc jamais déçu par OnePlus ah la montre, oui c'est bien, la montre on va voir la montre ah merci, merci Brice, tu supportes <laughs> en tout cas c'est super ce que vous faites, franchement euh, c'est bien, vous, euh, vous mettez les moyens pour, pour la chaîne de jeux vidéo magazine quoi, là franchement euh, il y, y a du lourd, il y a plein de news, ça, ça traite, euh, c'est très varié, euh, ça, ça brosse un spectre euh, très très large et euh, c'est super. <laughs> Alors, euh, donc on a dit qu'on essayait pour le son, donc là j'ai mis... Euh, attendez. Là. Oh, vous avez vu la transition <laughs> Donc là on va juste essayer pour le son un petit moment. Donc c'est une vidéo qu'ils ont, qu ont mise sur, sur le site et donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de parler dessus et puis vous allez me dire si ça va, d'accord Allez on y va Alors pour OnePlus, nous avons ce partenariat avec Assoblad parce que nous devions réimaginer un partenariat qui soit viable et voilà, nous avons dû le faire en très peu de temps. Et euh, cette personne-là est quelqu'un de très importante. Et c'est la chef du département du partenariat avec OnePlus. Avec un seul Est-ce que ça va Ah, c'est mon Twitch qui... Attendez. <laughs> Est-ce que ça va au niveau... Pas de son de la vidéo Sans blague. Non, me faites pas ça. Oh, c'est pas vrai. Alors, est-ce que... Est-ce que ça va mieux comme ça Est-ce que ça va mieux comme ça C'est bien Ok Toujours pas de son ah. Oh, c'est pas vrai. Alors... Attendez. Il y a toujours... J'avais tout réglé c'était bien tout à l'heure. Euh. over media. Alors, si je fais... Mmh, mmh, mmh. Alors, si je fais... Euh Alors, et si je fais comme ça Et si je fais comme ça Toujours pas. Ok. Oh, la technique. La technique euh, Si, je vais peut-être faire ça. So. Ok. Voilà, là il doit y avoir du son là. C'est bon Là, non, normalement, <laughs> Tiens, je vois les bars qui, euh, qui, euh, qui montent et qui descendent. Yes, c'est bon. Donc là, mon son est à peu près bon. Je peux parler dessus. Euh, le concept de la couleur et de euh, la justesse des couleurs, de la science des couleurs. C'est bon Super. Ah bah génial. Plus fort pour... Euh, ok. Allez. Voilà, c'est bien comme ça. Là, c'est peut-être un peu fort, mais, euh... Alors, quoi encore <laughs> Ok, bon, bah, c'est bon. Ça devrait aller. On réglera le son euh, après, euh, pour, pendant la conférence, parce qu'on ne sait pas s'ils vont le mettre euh, au Une boucle, là. <laughs> euh, si vont si mettre au même son. Donc euh, bon voilà. Merci beaucoup à chaque fois de m'assister dans tout ça. C'est vrai que quand je suis toute seule comme ça, c'est difficile d'avoir un retour sur... Euh, sur ce qui passe vraiment. Donc, euh, donc euh, votre retour est, est super important. Donc, euh, merci beaucoup euh, de m'assister à chaque fois. Et c'est vrai que je, je suis un peu débutante, streameuse euh, live et tout ça. Donc, euh, je suis pas encore bien au point au niveau technique. Et comme je change beaucoup de, de matériel en ce moment, euh, je passe de l'un à l'autre. Donc, à chaque fois, je refais les réglages et tout. Donc, ce n'est pas, euh, pas génial. Enfin, bon, bref. Merci beaucoup. Donc,. Euh... Alors, euh... bonjour Tobias, bonjour Grid. Euh... Ok, super. Alors, on va parler de Hasselblad. Euh... Alors, pourquoi est-ce que cette conférence-là me... me fait euh... a beaucoup attirer mon attention C'est parce que justement, il y a ce partenariat avec Hasselblad. Et Hasselblad, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ces appareils photos hyper iconiques, super connus dans, dans l'histoire de la photo. Et bon, moi, j'ai jamais eu l'occasion de me servir d'un Hasselblad, mais c'est des, des appareils qui font rêver. C'est vraiment des appareils qui, euh, ouais, qui, qui, sont, euh, qui sont très très chers, mais qui ont euh, en fait une, un côté euh, presque artisan dans, dans, leur, dans leur façon de faire. Et donc du coup, ça fait... Euh, ça fait, ouais, ça fait un peu bizarre euh, d'avoir un grand nom comme ça en partenariat avec, euh, avec un, fabricant, un fabricant de smartphones. et avec tous les euh, on a l'impression que les grands noms de la photo sont plus ou moins recyclés pour être partenaire avec des smartphones. Donc euh, au fur et à mesure que ça avance, moins il y a de noms légendaires comme ça sur le marché et à ce N'était pas encore associé à une marque de smartphone, contrairement à Leica, Zeiss, et puis d'autres comme ça. Après, il restera encore Rolleiflex, il me semble. Et puis, des petits, des, des petits noms comme ça. Quoi. Et, euh, et donc, voilà, Hasselblad, c'est une marque suédoise. Et ce qui est marrant, c'est que c'est des caméras en kit. Euh, alors, ils vont pas faire le hardware. Ils ont, ils ont plus travaillé sur tout ce qui est euh, science des couleurs, rendu des couleurs et tout ça. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ce qu'on voit notamment sur les filtres Instagram la, ou sur les filtres Lightroom, c'est il euh, y a un petit côté où on essaye d'émuler le style couleur euh, de ce genre de rendu. Et voilà, donc voilà, c'est des noms qui font, qui font rêver, c'est des, des légendes. C'est comme si en voiture, vous, vous dites Ferrari, Aston Martin, c'est vraiment des noms qui font rêver. Et il y a des Hasselblad qui coûtent dans les 47 000 dollars. C'est le prix plus cher qu'une voiture. Voilà, c'est euh, bah Kodak, euh, ouais, Kodak, ça a quand même ça, ça a une autre image. Kodak, c'est beaucoup plus lié à, à l'histoire du développement, de, 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 de la démocratisation des, des pellicules. Donc c'est moins prestigieux que Hasselblad, mais euh, quand même quoi. Et le fait qu'ils soient allés chercher à Seblad, ils ont dû payer, mais alors bien comme il faut, parce que si leur nom n'est pas encore chez, associé à d'autres marques, parce que si par exemple Huawei est allé chercher Leica ou euh, d'autres marques euh, sont allés chercher des grands noms à Seblad, ils ont dû aller frapper à leur porte aussi, hein, à mon avis. Et, <laughs> Leica et avec euh, Panasonic aussi, ouais. Et euh, donc euh, ils sont surtout connus, en fait. Euh, là, on va faire. Euh, ça, c'est pour, pour vous, si vous ne connaissez pas bien l'univers de, de, de Hasselblad, c'est surtout connu pour être la, la caméra partenaire de la NASA. Et donc, c'est la caméra qui a pris les photos de, de la Lune. Donc, les premières missions avec Apollo, c'était avec des Hasselblad. Et c'est ce qui a fait plus ou moins leur, leur renommée. C'est à partir de, de ce moment-là où euh, leur notoriété a explosé. Et euh, c'est euh, très, très marrant. Et là, donc on, là, là je suis juste sur leur page officielle. Ouais, donc, là, on va voir quelques photos euh, très, très connues euh, qui ont été prises depuis la Lune. Donc, euh, c'était euh, les premières missions. Donc, euh, 1962. En fait, la, la petit, pour la petite histoire, c'est un des astronautes qui était fan de Hasselblad et qui a proposé d'emmener un Hasselblad. Et pour, et, et pour les missions sur la Lune, ils sont allés voir donc, euh, les gars en Suède, ils ont fait Ouais, on a besoin d'une caméra. Et donc, ils ont fait des, des modèles de caméra exprès pour la Lune. Et euh, ils ont pris euh, le modèle de base, mais comme c'était des modèles où il fallait. Euh, qu'il y ait le moins de poids possible. Ils ont tout enlevé. Ils ont enlevé euh, tout ce qu'il y avait de superflu. Et ça donnait des caméras comme ça. Donc ça ressemble pas du tout aux Hasselblad qui sont dans le commerce à l'heure actuelle. Parce qu'ils ont enlevé tout le poids superflu pour pas que ça pèse sur euh, dans, dans les fusées. Voilà. Donc ça c'est un modèle sensé hein, pour ceux qui sont, hein, qui sont vraiment euh, fans du truc. Hein, et, euh... Donc du coup ils sont partis euh, avec, euh, avec des, des appareils photo pour se prendre en photo quand ils étaient euh, là-haut. Ça donne, ça donne des images. Et comme en fait la... la... Donc c'est une caméra qui est en moyen format. Donc c'est du medium format et ça permet en fait de prendre des photos avec une, une, une définition extraordinaire. <laughs> Un truc. Euh... <laughs> Un truc franchement. Euh, c'est. Euh, alors, pour, pour vous donner un ordre d'idée, comment je peux vous faire. faire par, par exemple, je vais, je vais vous prendre un exemple. Vous avez ça. Par exemple, ça, on va dire que c'est la taille du négatif, à peu près. Et le médium format, c'est juste plus grand que ça. Donc, ça va être à peu près comme ça. Et donc, à la base, sur la pellicule de, du médium format, il va y avoir en fait plus d'informations qui seront captées et donc du fait qu'ils aillent sur la lune avec un, un modèle de caméra comme ça qui puisse euh, être capable de capturer des petits euh, des, des détails dans leur moindres recoins bah c'est super important en fait ce qui explique pourquoi est ils ont pris euh, ils ont pris cette marque là voilà ça c'est euh, c'est des modèles de caméra à l'époque qui sont allés euh, sur les Apollo. <laughs> C'était du raw avant l'heure. Ouais. C'est euh... enfin, c'est l'histoire de cette boîte, elle est assez époustouflante. Là, vous avez là, on a un peu de temps, donc on... je, je... c'est juste pour que vous vous, vous preniez un peu euh, conscience de de de, de ce qu'est Hasselblad, euh, que euh, c'est c'est pas un petit partenariat. Quoi. Et là, cette photo-là, elle est super connue, quoi. super connue. Euh, voilà. Donc euh, là, ce que, ce qu'il faut voir, c'est euh, c'est par exemple le, euh, la, la différence entre les, les parties très éclairées qui sont là. Et donc là, c'est euh, ce qu'on appelle les hautes lumières. Et là, elles ne sont pas complètement cramées, ce qui est bien. Et de l'autre côté, ici, vous avez les ombres, ou dans le casque par exemple, vous avez les ombres et on garde en fait les détails. Et euh, dans 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 des endroits comme l'espace, j'y suis jamais allée, mais euh, dans l'espace, c'était euh, c'est super important en fait d'avoir de pouvoir capturer des contrastes, des différences dans les de, de lumière dans les contrastes, hein. euh, parce que forcément quand tu es à soleil, quand il y a le soleil qui 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 est là euh, super fort d'un côté, de l'autre côté de l'ombre, bah forcément c'est important d'avoir une caméra de qualité quoi. Voilà, donc les traces dans la lune et tout, ça, ce genre de photos, moi, ça me, ça me fait rêver. Hein. Ça, ça, c'est euh, euh, Si ça vous intéresse, ces photos, allez sur le site de la NASA et vous pourrez les, les avoir. Euh, parce que c'est des photos. C'est un truc... Euh, ah oui, un truc qu'il qu faut que vous sachiez, hein, c'est que euh, les, euh, les, les photos de la NASA sont, euh, sont téléchargeables sur leur site. Donc, vous allez euh, sur le site de la NASA, et où ils ont toute une, euh, toute une bibliothèque d'images euh, totalement extraordinaire, et vous pouvez les voir en grand, euh, comme ça. Et les photos d'Apollo font partie de, de, cette, de cette bibliothèque. Alors, elles sont euh, retouchées par un constructeur. Alors, c'était fait déjà. Euh, donc, c'était des photos en argentique à l'époque. Donc, euh, quand elles ont été scannées, numérisées, forcément, elles ont été un peu retouchées, un peu retraitées mais l'image de base elle est euh, elles sont juste pff, elles sont bien quoi. et euh, même si même si on retraite des photos il y a des détails qu'on pourra pas faire revenir euh, donc si les détails ne sont pas là à la base euh, vous pouvez retraiter la photo et puis euh, bon elle sera mieux mais euh, si la photo de base euh, elle est déjà bien c'est juste super quoi voilà donc euh, ils ont ils ont euh, toute une histoire autour de euh, de, de, de ça, euh, de, de la lune. Et... Euh, attendez, je vais vous montrer un autre truc à propos de la lune. Euh, alors, attendez. Ah voilà, c'est cette photo-là. Ça, c'est une petite anecdote super sympa. Alors, cette photo-là, ça s'appelle The Blue Marble. Donc, c'est euh, la, la bille bleue. Donc, c'est euh, une des premières photos de la Terre qui, est, qui est toute ronde. Dans sa totalité, pas une partie. Donc, c'est une photo qui a été prise par un Hasselblad et c'est une des photos les plus connues de la planète. C'est genre une des photos qui a été la plus imprimée sur les couvertures des, des magazines. Enfin bon, la photo. Quoi. Et <laughs> ce qui... donc, elle a été prise lors des, lors des voyages sur la Lune. Et ce qui est très marrant sur cette photo, c'est qu'on ne sait pas qui l'a prise. <laughs> Je suis tombée sur ça en faisant mes recherches. Euh, alors, ça, ça, ça c'est le drama de l'époque, le drama dont, dont on, 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 peu de gens, euh, enfin si, si on s'intéresse pas au truc, on ne sait pas trop quoi. Donc cette photo là euh, a été prise lors d'une mission où il y avait trois astronautes, trois astronautes qui euh, donc prenaient les photos à tour de rôle pendant la mission. Et euh, quand ils prennent les photos, normalement il y a plein de euh, il y a plein de euh, protocoles pour dire oui, alors à telle heure, machin a pris telle photo, à telle heure, machin a pris telle photo. Et sur cette photo-là, il n'y a pas eu de log. <laughs> on, on ne sait pas qui l'a prise. Et donc c'était en 1972, le 7 décembre, on sait que d'après l'ordre des clichés, elle a été prise entre 4h59,05 euh, secondes et 5h08,14 secondes après le lancement. Et on ne sait pas sur les trois astronautes, donc Eugene Cernan, Ron Evans et Harrison Schmidt, euh, qui regardaient donc, euh, la Terre. Donc un de ces, une de ces trois personnes a pris la photo comme ça en pensant, hop, voilà, j'ai fait un snap. Et, et ils se sont rendus compte qu'il y avait cette photo-là qui était la plus belle, probablement une des plus belles de la série. Parce que euh, donc c'est euh, dans euh, donc en fait c'est les labos de la NASA qui les ont développés ils disent, mais elle est superbe cette photo et on ne sait pas qui l'a prise et donc du coup les trois disent que c'est eux qui l'ont chacun dit non c'est moi qui l'ai prise et l'autre qui dit non c'est moi qui l'ai prise <laughs> et Ron qui dit ouais c'est moi qui l'ai prise mais on peut pas savoir qui c'est qui l'a prise. Et donc du coup, les trois astronautes qui sont partis, donc il y en a un qui n'est plus, malheureusement, et, y en a, et les deux qui restent, ils sont fâchés à mort par rapport à ça. <laughs> enfin bon, c'est un super gros drama, et on le saura jamais. On ne le saura jamais. Donc si ça vous intéresse, il y a, y a un article, je vous mettrai peut-être les, les liens dans, dans la description. Comme ça, ça vous. Euh, mais ce sera en anglais. quoi. Et, euh, et ce qu'il y a de bien dans cette photo, quand même, que, que je vous. Euh, que je, c est, c est, les, les photos, ça me passionne. Hein. Donc c'est pour ça, vous me lancez là-dessus, euh, je vais. <laughs> je vais en parler. Hein. Et euh, donc cette photo-là, donc aujourd'hui, en 2021, elle fait. Ouais, bon, bon, fin, On ne se rend pas trop compte de, 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 de ce qu'il a fallu pour pouvoir prendre cette photo. Cette photo-là, en fait, elle, est, elle a la Terre totalement ronde. Mais c'est une photo qui est prise depuis l'espace. Donc, pour pouvoir prendre ces photos, cette photo, il faut que le Soleil soit complètement dans le dos des astronautes, complètement. C'est si jamais ils sont en orbite un petit peu sur le côté, ils auront en fait un espèce de, de, de croissant et la, la Terre ne serait pas ronde. Et il faut que quand ils, le quand ils le font, donc quand ils arrivent sur la Lune, il faut qu'ils arrivent en fait sur une des faces qui est, euh, qui est face, à, face à, la, à la Terre et qui est en plus euh, cette, euh, cette lumière qui soit euh, bien, 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 euh, euh, bien distribuée tout autour. Et en sachant que sur les. Sur les, 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 missions, euh, les missions pour aller sur la Lune, ils, ils calculent leur trajectoire pour justement ne pas atterrir euh, totalement dans l'ombre ou totalement dans la face ensoleillée, parce que il faut qu'ils aient les ombres pour pouvoir voir par terre s'il y a des, des gros rochers ou des trucs comme ça, si ce n'est pas tout à fait plane ou tout ça. Et donc, pour ça, pour avoir une photo comme ça, il a fallu une chance incroyable pour pouvoir la prendre à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est euh, quand 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 quand, quand bah, ouais, je donne des des, des cours de space photographie. <laughs> Non, moi ce qui, ce qui m'intéresse surtout, c'est euh, comment, c'est l'histoire des photos. C'est les, les, les photos qui ont été prises, qu'est-ce qui s'est passé Parce que les photos, c'est des moments que vous prenez. C'est des moments de vie, ça a été une mise en place, c'est euh, des, 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 des choses qui se sont passées à un moment donné. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour, qu euh, pour que cette photo soit possible. Et euh, voilà, donc ça c'est euh, le, euh, le, euh, le côté légendaire de Hasselblad qui, qui donne ce, ce genre de photos. Alors, il est 26, on a encore un peu de temps. Et euh, l'autre côté légendaire, <laughs> vous me dites hein, si ça vous gonfle. <laughs> ouais, tu peux pas prendre la photo avec le iPhone. C'est que euh, les, les photos de, de, de lune euh, ou euh, de... Euh, D'étoiles au, au iPhone, c'est super dur. Et même des photos avec un réflexe. Euh, moi, j'ai essayé de prendre la Lune plusieurs fois. J'ai réussi euh, quelques fois quand c'était des super moons, quand ça apparaissait plus gros. Parce que depuis la Terre, si on euh, la, la <laughs> si n'est pas envoyé dans l'espace ou si on n'a pas des millions à dépenser pour aller sur SpaceX, SpaceX euh, quand on prend euh, des astres depuis la Terre, euh, c'est super dur. Parce qu'au niveau matériel, il vous faut un super zoom. Un énorme zoom moi j'ai un 200 et euh, ouais 200 c'est juste quoi et sur la photo ça fait euh, 5 mm <laughs> donc il faut un truc qui soit qui soit plus conséquent donc ce que j'avais fait c'est que j'avais mis mon 200 sur un appareil euh, qui faisait du dx c'est à dire avec un, un, un crop sensor, Moi, je vais, vais peut-être un peu trop rentrer dans, dans les détails techniques, mais l'intérêt c'est que ça rapproche, ça rapproche un peu, donc mon 200 s'était transformé en 280, ça s'approchait un petit peu plus, mais bon c'était toujours assez, euh, assez euh, loin, quoi. mais peut-être que avec les nouveaux smartphones qui, qui zooment à plus à x40, peut-être que là euh, on aura de quoi, de quoi faire et l'autre difficulté sur les photos de lune notamment ou les photos d'étoiles ou tout ce genre de trucs, c'est euh, la différence de lumière. Parce que quand vous prenez la Lune, euh, il y a beaucoup, beaucoup de lumière par rapport au noir qu'il y a autour. Et si vous exposez par rapport au noir qu'il y a autour, eh bien, votre Lune, c'est bah, un point blanc. Et si vous exposez par rapport au point blanc, eh bien, vous ne voyez rien sur le côté. Donc, il faut avoir un, un appareil qui soit très performant au niveau de ce qu'on appelle du dynamic range. Enfin, bon, bref. Euh, mais bon, j'en ai une sur mon, sur mon Instagram, si ça vous intéresse. Et euh, voilà quoi. <laughs> Allez, on continue un petit peu sur la légende de Hasselblad. Alors, Hasselblad, ce qui est bien, euh, c'est que c'est un une des marques beaucoup utilisées par des, euh, par des, des photographes dans, dans le monde de, de la musique, du cinéma, de l'art et tout ça. Quoi. Et ça a été utilisé notamment par un photographe qui s'appelle Gerrit Mankiewicz. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, Mankowitz, Mankowitz, je ne sais pas. Mais enfin, donc c'est un gars, un photographe qui travaille beaucoup avec les, les, des musiciens euh, hyper talentueux euh, des années 60, 70, 80. Et donc, du coup, il a pu prendre des photos, des superbes photos de Jimi Hendrix, Jimi Hendrix. Euh, donc des photos euh, qui sont devenues, qui sont passées dans, dans l'histoire. Là si vous reconnaissez c'est les euh, c'est les et la plupart de ces photos ont servi de pochette d'albums. Ce qui est, euh, ce qui est euh, quelque chose d'assez... Euh, ça, ça a aussi permis de construire la marque Hasselblad. Et ce qu'on ce qu'il faut voir ici, c'est les, les détails, mais c'est aussi la, la, le, le rendu des couleurs euh, qui est très très particulier en fait. Ah, donc là c'est Kate Bush. Là, on a listé l'or. Là, là, en fait, quand vous voyez ça, ce genre de photo, ça fait un peu filtre Instagram sur certains trucs qu'on a pu voir. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que certains filtres Instagram essayent d'émuler ce genre de, de, de photo, ce genre de, de rendu photo. Donc, on remarque aussi qu'il y a beaucoup de, de grains et tout ça, quoi. en plus du de, de rendu des couleurs qui est, qui est très, très joli. C'est aussi le, le roi du noir et blanc, de par le, la, le rendu des, des contrastes. Là, c'est Led Zeppelin en concert. Ça, ça s'adresse à tous ceux qui, qui ont connu ces groupes, euh, tout ça, dans, 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 le, euh, dans la musique. Alors, je vous lis un petit peu. <laughs> Comment on fait justement pour prendre la lune On joue sur quoi Comment ça Ah là, c'est les Rolling Stones. Alors cette photo-là, elle est, euh, moi, je l'aime bien parce qu'il y a ce côté euh, un peu, un peu flou là et euh, Mick Jagger euh, au centre qui est, qui est net. Donc, euh, je ne sais pas comment il a fait ça. À mon avis, euh, il a, quand il a pris la photo, euh, il a, il a peut-être euh, reculé d'un pas en même temps. À mon avis. Parce que c'est un groupe qui est en train de poser et, et c'est des focales. Ouais, je sais pas. Euh, euh, ou alors, enfin, il a, il a fait un truc hein, en, en bougeant. Quoi, donc, euh, super photo. Et euh, voilà une autre photo de Jimi Hendrix. Bonjour l'espagnol. Bonjour Tobias. Bonjour Alpha Blender. <laughs> bonjour Hélène. Alors. Euh, qu'est ce qu'il y a d'autre cette photo là elle est, elle est super j'adore et euh, un des un des trucs de, de Hasselblad c'est euh, c'est euh, des des couleurs super bien rendues et tout ça mais par contre c'est pas des c'est pas des appareils qui sont faits pour 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 prendre de l'action hein. parce que si vous regardez les, les photos Hasselblad c'est en général des belles photos posées donc là ils sont là ils bougent pas avec les modèles qui qui essayent d'être le plus beau possible <laughs> Mais par contre, ils ne sont, ils sont pas très très bons dans tout ce qui est euh, focus euh, et tout ça. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans, dans la mode ou dans les portraits donc ça, ou les paysages. Euh, ça, c'est les rois. Quoi. Mais par contre, pour tout ce qui est photo d'action en général, photo d'action, on est plus chez, chez Leica par exemple ou chez Fujifilm. Euh, donc, euh, ouais. Alors, focal fixe, il a peut-être bougé et revenu au centre, ce qui fait que Mike est resté net ouais c'est peut-être ça c'est peut-être ça qu'il a fait c'est peut-être qu'il a bougé et qu'il est revenu en même temps sur une pause longue enfin je sais pas enfin bon c'est ça, ça a l'air euh... ou alors il a il a commencé euh... il a commencé euh... comme ça et puis il est revenu comme ça enfin bon je sais pas mais euh, un, un des mystères de la photo c'est pour ça que c'est intéressant de de, de de voir de savoir ce que ce que euh, ce qu'ils ont fait en fait euh, sur ça quoi. Enfin, quand, quand ils ont pris la photo et euh, voilà, donc si ça vous intéresse, on ne va pas regarder toutes les photos de chez Hasselblad, hein. vous pouvez aller sur le site de Hasselblad et puis euh, vous allez dans la, dans la rubrique Stories et vous allez voir euh, plein, plein de clichés euh, qui sont hein, des, des stories qu'ils ont faites avec euh, des, des photographes euh, partout dans le monde sur euh, plusieurs styles différents, beaucoup de photos d'art, euh, beaucoup de photos euh, de paysages. Euh, donc euh, c'est. Euh, c'est magnifique c'est vraiment vraiment magnifique donc euh, euh, si si ça vous intéresse tout ça euh, allez voir hein. franchement il il c'est une marque qui est très très euh, très intéressante dans son dans son, euh, dans son euh, dans, non, 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 dans sa façon de de d'appréhender de, euh, la photo d'appréhender l'image et tout ça quoi. et euh, pourquoi ça coûte plus cher ah oui ça il y avait ça aussi euh, alors, j'avais trouvé un article assez intéressant. Donc, c'est un article en anglais. Donc, c'est fait par The Verge. Alors, la conf, elle est euh, normalement euh, dans 25 minutes. Et il y a déjà 11 000 spectateurs en attente <laughs> sur le site. C'est beaucoup. Hein. Je trouve que c'est beaucoup pour, pour un, un, une présentation de smartphone. Donc,. Euh, dans 25 minutes exactement. Donc on a encore un tout petit peu de temps. Et euh, donc si ça vous intéresse, ouais, c'est une conf, c'est une, euh, une présentation des nouveaux OnePlus. Plus nous, ouais. <laughs> et euh, donc là, c'est un reportage au sein de, de, de Hasselblad en Suède, dans les, dans les quartiers généraux. Et voilà, ça c'est les gens qui travaillent sur le montage des, des appareils photo. Et euh, voilà, quoi, ça, ça, ça donne vraiment un côté artisanat euh, très euh, presque horloger suisse dans, dans la façon de faire. Quoi. Donc, euh, c'est si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Hein. Donc, euh, je vous mettrai les liens dans la description. Et euh, voilà, ce, alors les c'est pas euh, pas les rois de la miniaturisation hein. mais par contre on n'utilise pas du Hasselblad pour euh, pour, pour ça quoi. Donc, euh... bonjour Kylian ouais merci merci je vais bien alors ça c'est ça c'est un ça c'est le body donc c'est la carcasse de la caméra ce qui est très étonnant en fait sur ces caméras c'est que c'est des caméras en kit et vous pouvez, donc ça c'est le corps euh, du, euh, de la caméra. Euh, voilà, et ensuite d'un côté vous avez un grand trou, donc là on met l'objectif, et de l'autre côté il y a un autre euh, grand trou, donc ça c'est l'objectif avec le miroir, là. et euh, les, les, les boutons de commande sont ici, donc il est tout petit en fait par rapport à la taille de, de l'appareil. Voilà, ça c'est... Euh... Et ensuite là c'est le dos numérique. Donc c'est le, 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 le truc que vous, que vous mettez sur le dos de l'appareil la, de, de et ça vous fait une caméra lego en fait. <laughs> ah, ça c'est des objectifs, c'est énorme ces objectifs. Enfin, bon. Voilà donc ça c'est euh, les... comment ils font pour, euh, pour calculer euh, les lumières et les couleurs et tout ça quoi. Donc, euh... Ça, ça fait quand même des, des, des belles photos des, euh, des, des labos de, de chez Hasselblad. Mais bon, ça coûte très cher tout ça. Ça coûte très très cher. Alors ça c'est le... ça c'est le modèle euh, entre guillemets pour pouvoir emmener dans la rue. Hein. Euh, bon, quand même. Voilà, c'est le X1D. Et euh, celui-ci, je ne sais pas comment il coûte, euh, combien il coûte exactement, mais euh, bien cher aussi. Quoi. Donc, euh, si vous voyez quelqu'un dans la rue avec un Hasselblad, euh, pouvez vous dire que, euh, OK, euh, euh, la, la personne est soit, euh, soit quelqu'un qui teste le matériel, soit quelqu'un de très très fortuné. Alors, on va attendre. Là. On, the back of our... <laughs> on va se cotiser pour mon nefrain. Oh, <rire> oh, <rire> 5 000 dollars, hein. on est dans la fourchette basse. Là. Non, mais c'est. Ouais, mais bon, ça, ça fait partie des marques où, bon, bah, je rêve un peu et puis j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien voir à un moment donné euh, pouvoir essayer un jour euh, ce que ça donne. Quoi. Mais euh, franchement. Euh... Franchement, en acheter un à moins d'être vraiment très riche ou d'en avoir vraiment besoin. Euh... Ah, c'est vrai, le X1D coûte 6000 euros, Ah bah ça va, <laughs> c'est abordable. <laughs> ouais mais c'est que, euh, c'est que le, le body. Il faut le, il faut euh, l'objectif. L'objectif, il est à combien Hein <laughs> Enfin bon, je rigole donc euh, ouais bon, c'est vrai que c'est euh, ça fait rêver ça fait rêver et donc et donc pour en revenir à OnePlus, c'est quand même euh, ouais, c'est rigolo qu'ils aient qu'ils soient allés chercher euh, qu'ils soient allés chercher à soldat. même si là c'est pas pour faire du hardware heureusement parce que sinon le, le OnePlus, Plus ça va coûter euh, mais super cher mais, mais ils font, ils font tout, ce qui est, tout ce qui est traitement des couleurs. Donc on aura peut-être des, des couleurs en natif, pas forcément des filtres qu'on applique après, des, des couleurs en natif qui soient qu dignes de ce nom, avec, avec beaucoup de, de, de traitements plus, plus élaborés et tout ça. Quoi. Non. 2000 euros l'objectif, <laughs> l'objectif 4000, non. ça fait le kit à 10 000 euros. Ah ça fait quand même un peu cher. Fait... On, peut, on, peut on peut se payer plein de choses avec 10 000 euros quand même. Mais bon, voilà. donc mais un, Si un jour, si il faudrait que je regarde d'ailleurs si on peut le louer. Et si un jour je peux aller le louer, euh, il y, 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 y a des boutiques qui louent des appareils photo et tout ça à, à typer, là j'en connais quelques-unes. Je, je vais regarder tiens, si ils ont ça, ce serait rigolo de, de, de tester ça si c'est possible. Ce serait rigolo, tiens, si on peut, euh, si on peut avoir, euh, voir un peu ce que ça donne. Euh, mais bon, c'est un partenariat juste pour le nom. Où il y a... Ah euh, a priori, ils ont dit qu'il y avait un travail en partenariat sur le traitement des couleurs avec Hasselblad. Donc, ce n'est pas pour le hardware. Donc, euh, ce qu'on qu a vu comme appareil photo euh, sur, euh, sur, les... sur ça, là, c est... C est, c est... Bon, ce ne sera pas ça. Hein. Par contre, sur euh, comment est-ce qu'ils font le rendu des couleurs et tout ça, euh, ça, oui. Ah, location à Solblad, 100 euros la journée, plus 25 000 euros de caution. Oh, purée. en cash Ils te débitent la carte bleue, 25 000 euros pour une journée, après ils te la remettent, c'est ça Wow Wow Alors, les Leica, c'est hors de prix, ouais. Euh, alors, j'ai l'impression que les Leica est un petit peu plus abordable quand même. Euh, mais, mais bon. Mais bon, mais, mais Leica, je respecte aussi beaucoup parce que c'est quand même l'appareil de quartier quoi. Et c'est le photographe qui va capturer les moments. C'est le photographe le plus connu pour ça. Quoi. Donc, donc je respecte beaucoup Leica pour ça. Quoi. Mais, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus abordable. Mais c'est peut-être une impression. <laughs> Alors. Ah oui, il euh, y a un truc aussi qui est rigolo euh, sur, sur, sur Hasselblad, c'est euh, les, les, les appareils qu'on a vus là. Attendez, Hasselblad dans le lune. Donc les appareils qu'on a vus, euh, ceux-là là, là euh, c'est euh, des appareils. Il y a vraiment des caméras Hasselblad sur la Lune, parce que pour le retour. Euh, certains sur certains équipages, ils n'ont pas pu en fait ramener tout ce qu'ils avaient, donc il fallait qu'ils se délestent de plein de choses pour, 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 pour en fait avoir le moins de poids possible. Et sur la lune, il y a des caméras Hasselblad. Donc c'est vraiment la caméra de la lune. <laughs> Je trouvais ça bon, c'est pas génial pour tout ce qui est euh, déchets euh, déchets dans l'espace quand même, mais, euh, mais c'est euh, j'ai trouvé l'anecdote euh, rigolote. Rigolote. Alors, tu préfères un tour du monde sans appareil photo ou bien un appareil photo qui coûte le prix d'un tour du monde bah, euh, Je préfère faire un tour du monde avec un appareil qui ne coûte pas euh, le prix d'un tour du monde. Ce serait bien. Moi, un, un petit euh, Fujifilm avec euh, des bons objectifs, euh, ça me va très bien. Hein. <laughs> quand on fait un tour du monde, il faut quand même trouver un appareil qui soit assez léger, portable et euh, qu'on euh, qu qu ne réchine pas à porter avec soi. Quoi. J'ai porté des réflexes pendant longtemps euh, pour aller dans les endroits. Maintenant, j'en ai marre. J'ai mal au dos et tout. <laughs> Autant rester sur une Canon iOS 5D, c'est amplement suffisant. Ah, bah oui, 5D, c'est bien. C'est bien les 5D. C'est bien. Euh, il faut vendre des photos à voici <laughs> ouais c'est pas c'est pas c'est pas des appareils pour faire du voici hein. ce cl clairement pas hein. c'est pas assez c'est pas assez rapide ça va pas euh, le, le focus n'est pas assez euh, assez évolué et pas assez rapide pour ça quoi. donc euh, les, euh, les photographes de voici euh, ouais, ils sont plus sur des téléobjectifs euh, sur sur des sur des réflexes qui font euh, qui font des rafales bien comme il faut <laughs> Les cas, c'est pour les pauvres. Oh, Peut-être pas quand même. <laughs> si, leur, euh, si leur appareil coûte 6000 mille euros, j'imagine que le OnePlus va coûter le même prix qu'un iPhone. Non, je pense pas. Je pense pas quand même. Je pense qu'ils vont coûter un petit peu moins cher que les, Iph que les iPhones. Parce que les OnePlus, c'était censé être les flagship killers. C'est devenu aujourd'hui des flagships tout court. Euh, mais ils vont quand même rester un peu en dessous de. Euh, de la, gamme, de la gamme iPhone. c'est Ça reste le, le, le référent au niveau prix, c'est pour ça que tout le monde a monté ses prix, malheureusement. Et, et bon, ils vont quand même proposer euh, un peu moins cher, en sachant qu'ils ont aussi euh, toute la concurrence des autres qui ont été présentés, donc les Xiaomi, Oppo, euh, voire même Huawei. Mais bon, Huawei, ils sont un peu hors course euh, en ce moment à cause du ban de Google, hein, hein. donc euh, ils ont quand même euh, les autres derrière. Il y a aussi les Samsung. Alors, euh, non, non, non. <laughs> je, je suis perdu là. Je suis perdu. Ça démarre à 1000 euros sur l'appli Amazon. Euh, page dédiée OnePlus 9. Ah ils mettent il les moyens pour, euh, pour la campagne là. Euh, je pense que c'était le truc qui qu'on leur reprochait au OnePlus, c'était le, les photos qui étaient pas tout à fait au niveau. Donc là, c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils communiquent à fond sur ça. Quoi. Et euh, je, je pense que ça va euh, ça va beaucoup les aider. Ça va, ils vont peut-être prendre quelque part de marché. Là. 25 000 euros de caution. Faut mettre des gants et une coque renforcée pour l'appareil. Ah non mais tu fais super gaffe quoi, tu, tu fais euh, 5 mètres euh, hors de chez toi, et après tu reviens, <laughs> tu, tu prends pas plus de risques. Euh, je... Ah l'homme n'a jamais été sur la lune, oula, gros débat. Gros débat. La Terre est plate. Gros débat. <laughs> Il n'y a aucun partenariat au niveau de l'optique ou du capteur. C'est juste logiciel. Alors ce sera juste log logiciel. A priori, euh, ce sera... Pour les capteurs, ce sera chez. Euh, ce sera euh, d'après les rumeurs. Le, un capteur de chez Sony. Donc euh, a priori le même capteur que euh, celui des Fan X3. Donc au niveau, on a pu voir sur la, la conf de Oppo que euh, les capteurs les photos étaient euh, époustouflantes là normalement on devrait on devrait avoir quelque chose de, de bien quoi et euh, pour info aussi les euh, les euh, donc euh, sur les Hasselblad vendus super cher là euh, ils sont aussi en partenariat avec sony pour faire pour faire tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, dos numérique et tout ça de numérique capteur et tout ça. Enfin, je ne suis pas trop trop rentré dans les détails, mais en tout cas il travaille euh, ils travaillent aussi avec Sony pour pour euh, pour le côté euh, côté euh, capteur. Donc Leica Vario El Marit. Ah oh, 4600 euros oh, Ça va <laughs> Ça va bon. Bon, ils sont un petit peu... Ouais, bon... Oh, bah je pense qu'à ces niveaux-là, on compte plus. Hein. Et puis, on compte plus. Bah. <laughs> c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Ferrari ou Lamborghini, je sais pas. À choisir, euh... <laughs> c'est difficile. Alors, est-ce qu'ils vont commencer dans 20... Alors, je vais quand même faire un refresh. Ok. Dans 12 minutes. Yes Ils ont mis l'écran en grand maintenant. Donc on va, on va rester là. On va rester ici, comme ça. Alors, euh, ils ont jamais cherché à récupérer <laughs> les des appareils sur la Lune. Non, à mon avis, ils vont les laisser là. S'ils sont... sont... ont dû se délester, je ne pense pas que sur un prochain voyage, ils aillent se relester avec d'autres caméras. En plus, il va falloir les trouver et euh, atterrir aux mêmes endroits pour pouvoir retrouver les appareils. Non, je pense que ça va, par... ça va faire partie des, des artefacts martiennes. Euh... Perdu sur la Lune. Peut-être qu'un jour on fera de l'archéologie sur, sur la Lune dans, dans, dans 200 ans, j'en sais rien, et qu'on retrouvera ces caméras-là qui vont être fossilisées. Et puis et voilà, <laughs> ça, fait, voilà ça, vous fait, ça vous fait quelques petites histoires à, à raconter. C'est rigolo. On fait le tour du monde et d'utiliser des appareils chuchotables. Ce <laughs> sera un peu dommage quand même un petit canon ah t'as le alors Vincent toi tu as le XT3 ah on va s'entendre moi aussi j'ai le j'ai le XT3 j'adore j'adore cette caméra j'adore j'adore c'est euh, le Fujifilm c'est alors là ils en sont au XT4 moi j'ai le 3 donc celui de la génération d'avant et franchement il fait des photos Pfff. alors c'est pas du niveau à sublime et tout ça hein, mais il est très très bon très très beau. Bon one plus serait parfait pour faire le tour du monde mais oui c'est une bonne euh, vue vu le, le, le progrès qu'ils font sur euh, sur les photos smartphones euh, ça peut être une bonne solution ça peut être une très très bonne solution si on veut pas trop trop s'encombrer ouais je pense que sept euh, ça va être à peu près euh, 1000 euros je pense qu'ils vont euh, soit un petit peu plus soit un petit peu moins quoi, sans, pour pour pas être trop trop en concurrence frontale avec euh, avec les iphones mais bon en sachant que sur ces, les smartphones euh, donc euh, OnePlus euh, Oppo et compagnie euh, le prix baisse beaucoup plus rapidement que les iphones donc euh, là s'il est proposé à euh, donc roby par exemple 1200 950 1900 euros dans 3 mois 6 mois il sera vendu à moins cher c'est ça qu'il faut savoir ça c'est pour ceux qui sont pas euh, qui courent pas derrière la nouveauté à l'acheter tout de suite euh, c'est euh, tout à fait possible. Ça change de euh, un peu. <laughs> 40 mille euros et on n'arrive toujours pas à faire un selfie de ity e. mais oui peut-être qu'un jour on pourra faire des selfies avec ity e. avec euh, avec euh, la terre ou la lune en arrière-plan voilà quoi donc euh, allez ça commence dans dans 9 minutes Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que ça vous euh, ça vous euh, ça vous est-ce que euh, je sais pas ça vous euh, ça vous disait quelque chose à seul ou euh, ça vous euh, ça vous faisait ni chaud ni froid ou. Euh... Surtout que la poussière lunaire est une horreur pour les appareils électroniques. Ouais, ouais, ça c'est. Euh, il faut au moins du, euh, du IP70 euh, hein, pour la poussière lunaire hein, qui puisse euh, résister euh, au, au vide, euh, à la pression. <laughs> Et puis. Non, IP en fait, IP 68 c'est euh, les, les normes pour résister euh, à la poussière ou, euh, ou par exemple pour euh, les projections d'eau on peut euh, par exemple aller euh, pendant une demi une demi-heure euh, à un mètre sous l'eau euh, avec euh, si vous avez un, un smartphone un, ou un appareil euh, qui est euh, qui est euh, IP 68 c'est pour ça que je dis 70 en fait je sais pas si ça existe 70 Ah, tu connaissais pas. Donc euh, Nathan, tu connaissais pas avant mon, mon exposé. Ouais, ouais. C'est ça. Quand, quand j'ai vu qu'ils ont qu'ils ont fait, euh, ils ont pris à ce blage, je oh j'ai fait. Oh mon Dieu. <laughs> enfin bon, c'est euh, c'est rigolo. Moi, moi, j'avais fait. En fait, ça, ça, ça. Il y a il y, y a bien longtemps maintenant. Euh, j'avais euh, visité une expo. Euh, C'était à Hong Kong et ça s'appelait euh, Camera Inside Out et c'était une expo sur où ils exposaient en fait des, des, des photos au grand format et ils, ils précisaient à chaque fois avec quelle caméra ça a été fait. Et dans, au, au milieu de la salle d'expo il y avait en fait les caméras euh, d'époque. Donc il y avait des Leica, des Hasselblad, des Rolleiflex, enfin bon bref, tout, tout, tout le tralala, qui était exposé. Et à chaque fois, ils expliquaient, voilà, c'était ça qui faisait que cette photo-là était plus comme ça ou plus comme ça. Et c'était fait en partenariat avec un collectionneur à Hong Kong qui avait toutes ces belles caméras. Et euh, voilà, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, mais oui, en fait, c'est important de savoir quelles sont les... quelles sont les, les, les spécificités des... Euh... Des caméras de l'époque pour donner les photos qu'elles ont prises. Et, quand, et ça m'a ça, ça sauté aux yeux, notamment pour ce qui était Leica. Euh, Leica, les cas, en fait, c'est des photos qui ressemblent beaucoup aux au réflexes d'aujourd'hui, on va dire, avec une forme. Euh, une en fait, qu'on comprend comme ça, et c'est pour ça que ça a été le euh, l'appareil la, photo des reporters, donc le type Cartier-Bresson et tout ça. Et, euh, et d'autres euh, d'autres spécialistes de la photo de rue, par exemple, utilisaient beaucoup les relais flex. Donc, les relais flex, c'est euh, je, je, par exemple, c'est des caméras comme ça. Il fallait regarder comme ça, en fait, parce qu'il y avait le, le, la, la chambre était là. Et, euh, et dans la photo de rue, c'est plus pratique parce que les gens se sentent moins agressés. Parce qu'on regarde comme ça pour prendre la photo. Donc on regarde comme ça. Et ça donne en fait aussi des photos qui ont un, un, un angle de vue qui est plus bas, qui sont pris en fait au niveau du ventre. Et pareil pour les Asoblades, on, on regarde les photos comme ça, mais comme ils ont des objectifs énormes et tout ça, euh, donc ça permettait à des photographes de portraits de de, de s'en servir ou des photographes de paysages par exemple qui qui faisaient des des, des, des belles euh, qui qui prenaient des, des panoramas magnifiques avec ces trucs là, ben, voilà donc c'est c'est intéressant je trouve mais ça c'est c'est pas euh... mais ça faut faut, faut faut aller chercher un peu quoi c'est pas c'est pas quelque chose de non, ce n'est pas, pas des informations qu'on va avoir juste euh, si on fait pas l'effort d'aller chercher l'information. Voilà. <laughs> un live sur la photo, ah voilà, ça va être. Euh, ouais, je ne sais pas sur, sur quel thème. Euh, la photo en général, c'est un, un peu large. Quoi, donc, euh, mais pourquoi pas, jour bon, peut-être. Peut-être euh, l'occasion. Mais après, ça va peut-être intéresser un peu moins de monde si c'est si juste sur la photo euh, comme ça. Euh. <laughs> Mais ouais, ouais, mais mais ouais, j'adore la photo et puis euh, et puis euh, j'aime bien la culture photo et euh, c'est super intéressant en fait. Et euh, comme c'est un des médias qui qui euh, qui enregistre notre euh, notre histoire euh, actuelle, hein, euh, c'est intéressant de voir comment les, les photos, les appareils photos, la technologie évolue avec euh, avec ça. Quoi. Et euh, voilà. Et donc là aujourd'hui, euh, ce qui est vraiment marrant, c'est que des smartphones sont en train de reprendre le relais sur euh, sur l'histoire de la photo. Alors de l'autre côté, il y a les il ya des appareils euh, plus conséquents, donc euh, les Sony, les Nikon, euh, les Canon, qui font toujours des appareils euh, encore plus évolués, beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, à la pointe. Mais aujourd'hui, il y a de, de, de plus en plus de gens utilisent des smartphones pour faire des photos pour en documenter leur vie et euh, c'est je trouve ça intéressant de voir que sur les smartphones aujourd'hui on a des qualités qui sont euh, bah qui qui, qui sont superbes et qui permettent vraiment de faire des choses très belles <laughs> ouais. alors connaissais Arvoï toi tu connaissais euh, Hasselblad mais euh, jamais eu évidemment mais étant passionné de spatial t'en as entendu parler plus d'une fois mais ouais à ah, ce à mon avis ce sera pas juste un alors plutôt ce sera pas juste un nom à poser quoi. ils ont a priori ils ont travaillé sur, euh, sur le soft et ce qui est ce qui est important hein, le, le, le traitement des couleurs c'est super important hein. c'est pas que du harn, hein, la, la, la photo hein. Euh, C'est une des raisons pour laquelle les, les fans Nikon et les fans Canon se, se tombent dessus, hein, parce que la, la science des couleurs est pas pareille. Hein. Pareil comme les, euh, les, les, les pédicules photo Fujifilm et les pédicules photo Kodak, il y avait une différence. Hein. Euh, les, les pellicules photo Kodak donnent des photos qui sont un petit peu plus orangées alors que les Fujifilm donnent un rendu qui est un petit peu plus froid mais qui est un petit peu plus réaliste entre guillemets. Euh, donc les, les gens choisissaient en fonction de, 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 de leurs préférences et de ce qu'ils voulaient faire. à <laughs> Hasselblad un... c'était un jeu vidéo euh, pour smartphone. <laughs> Le souci, c'est que iPhone a trop d'avance sur la concurrence. Bah, ils, ont un... ils, ont, euh, ils ont beaucoup de. de... Ouais, ils, ont, ils ont un marketing et puis euh, une, une avance au niveau justement de la science des couleurs. C'est ça aussi euh, pourquoi est-ce qu'on aime les... le rendu des photos iPhone c'est euh, des, des couleurs qui sont plus chaudes, plus réalistes. Je suis tombé sur cette vidéo par hasard. Bonjour Omar, mais très intéressé par un nouveau OnePlus, surtout si l'appareil photo est bon. Mais oui, on, on attend l'appareil photo, on attend que l'appareil photo euh, soit vraiment vraiment bien. Euh, Benito, alors tu penses quoi du Xperia Pro Alors j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais j'aime beaucoup beaucoup euh, la, la gamme des Xperia euh, parce que euh, parce que voilà, ça prend c'est l'appareil photo qui met en avant la photo et c'est l'appareil photo qui fait que euh, on, on a des commandes qui sont proches d'un réflexe. Et euh, ça j'aime bien. Mais après c'est un peu dommage qu'ils prennent... Ils sont un peu en retard par rapport aux autres. Moi, donc, euh, bon. mais, euh, mais Sony utilise son savoir-faire pour justement euh, son savoir-faire au niveau hardware et au niveau cinéma. Euh, caméra et tout ça pour pouvoir les intégrer dans le Xperia. Mais j'aimerais bien qu'ils se bougent un petit peu plus. Quoi. Parce que là, euh, avec ce qu'on voit à l'heure actuelle, euh, la concurrence est rude. Hein. Fuji, plus proche des photos d'Instagram. <laughs> ah, ça commence. Xperia C'est pas mille personnes qui travaillent sur la Photoshop Non, sans blague. Oh Dites donc. Des pouces, des pouces, oh merci, oui, mettez des likes. <laughs> Alors, Sylvain, toi tu dis, ils avaient une avance, mais plus, moi j'aime pas le rendu e-truc. Ah, ça c'est vraiment une, photo de goût, euh, une histoire de goût, hein. c'est vraiment, vraiment une histoire de goût. Mais là, euh, c'est quand, quand même assez particulier, cette, cette génération, parce qu'on qu va avoir des appareils qui sont euh, étaient, qui sont des qui sont pas des marques euh, on va dire euh, euh, leaders par rapport à, à apple et à samsung qui proposent des appareils euh, d'un côté photo euh, qui, qui, qui est vraiment euh, enfin bon, qui, qui qui en jette quoi merci beaucoup tony. <laughs> Est-ce qu'il y a eu une alerte Ah, il y a eu une alerte, oh, une alerte Vous avez vu Ça marche <laughs> Bon, c'est en dollars. Bon, il y a un truc qui faut... Ah, ça y est, ça commence. Alors, est-ce que vous entendez One of the why I like so much is Là, c'est the... les... Donc, ce que j'aime chez OnePlus, c'est comment ils écoutent leur communauté et que euh, on leur fait des retours et tout. Donc, euh, OnePlus représente les, les utilisateurs avancés et c'est pour ça que, en étant un utilisateur avancé, je me sens dans le club. Donc, c'est plus qu'un téléphone. C'est euh,

Great cameras. Uh, I love the screen that rolls off the edge. The wide angle selfie camera on the OnePlus Nord is a fantastic feature that I love to use on pretty much a daily okay. basis. I'm a big fan of the brand and the products. Um, I was an early adopter since the first device and I'm still um, super interested in all the things OnePlus is doing. So, what's my OnePlus story? Alors bonjour LJ. Donc ici en fait c'est un live commenté. Donc, si tu veux voir le live sans moi qui commente, tu peux aller sur le site officiel de OnePlus ensemble avec des Moi je serais curieuse de savoir comment ils ont sélectionné tous ces utilisateurs, est-ce qu'ils ont un lien particulier ou est-ce qu'ils ont été choisis, je ne sais pas, sur Google, je n'en sais rien. Uh, employees you know and and draw for example here never give up uh just so many messages to, to push me and to, to to tell me that uh there are a lot of people that, that <laughs> casting me and ce sont des influenceurs oh, ben, je j'ai pas a, la a la culture a assez large en influenceur US ou il a un un game Right ah, after the OnePlus Two was launched, and I've been a moderator ever since. And I'm loving it. In addition to that, I'm part of the brand ambassador group for the United States. Ah, donc c'est un c'est un ambassadeur. My story with OnePlus has only just begun. You know, I really love this phone, and I'll tell anyone who will listen. It's plus des ambassadeurs qui ont été choisis. Donc a priori, des gens qui connaissent qui connaissent bien. So I'm so excited to see what they come out with next. Never settle! Ne jamais s'installer. Ça veut dire ne jamais se reposer sur ses lauriers. Ça, c'est quand même un slogan, euh, je trouve, euh, assez fort. Ah, ça commence par. Euh, ça, ça ressemble à quelque chose qui, qui ressemble à une éclipse. Donc, on est vraiment dans l'espace. <laughs> ça y est, Nathan, ça commence là avis, on va avoir des très très belles images sur, sur cette conf. Ça y est, le côté euh, navette spatiale avec, euh, avec des inspirations SF. C'est peut-être le contour de l'objectif, hein. les étoiles, des étoiles en orbite. Voilà, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'ils insistent sur le côté contraste. Les raids de lumière comme ça. Sur un Welcome blanc, to the très, one plus serious launch events. Uh, le boss one year OnePlus. ago, we were all beginning to face some unexpected challenges. It has been difficult for many. But even when times are hard, we can still change and grow. Over the past year, we also grew as a company. We introduced a new strategy and launch the more new products than ever before. Bring the OnePlus experience to more users around the world. I want to thank you all for believing in OnePlus. When we started our in 2013, we had one goal to make the best devices possible. OnePlus de One, plus le one was our appareil. first shot, and over the years, we worked hard to make Ringless one the best hand feel, the most powerful performance, the fastest euh, charging. And the this is our idea. We always improving for euh, on pas un prix, delivering le the best user experience. But when we ask our users what improvements they still want, Alors, one answer. Qu'est-ce qu'il voulait euh, comme, euh, comme amélioration Today, we are introducing the OnePlus Line Series. Ah ouais, il est pas hein. C'est uh, euh, assez osé hein, quand ils ont sorti And OnePlus. C'est assez osé quand ils ont sorti Nous avons <laughs> un oui, grand, bon en très pour la, with the legendary pour company. Photo. Là, la photo a a company vu nous faisons un partenariat history. avec But la marque cameras légendaire qui a capturé the uh, cameras certains are des, uh, of and des the moments the de de and every professional là, photographer les plus iconiques uh, de l'histoire de l'humanité. vous à l'heure des photos qui ont été prises avec des Hasselblad sur la Lune. Et là, donc la, la campagne de promotion est forcément autour de, autour de, euh, de la lune avec les euh, symboles, on regarde en l'air et tout. <laughs> la petite référence euh, à peut-être. just a thought what if we just let more light in non la lune n'était pas de la lumière c'est euh, c'est euh, les reflets du soleil c'est voilà. enfin, bon, aussi euh, pour avoir le nom sur le, le, le smartphone comme ça ça fait plus classe aussi hein. we are fully <laughs> <you> know, <laughs> we are already working together on enhanced <laughs> the color and fois, sensor collaboration. Un, un avec Underworld. We will expand to hardware -well development Et for better Luffy. sensors and optics. Together, we are creating new possibility in mobile photography. Introducing the OnePlus Line series. Voilà. Voici. Uh... In the OnePlus line series, One Plus. we bring Hasselblad's legendary appetites and the color science to our cameras. Voilà, nous it's our most complete and uncompromising product la, series ever. De and I believe it will also be your best shot. Now, I'm pleased to welcome John Deere, <laughs> Vice President from Hasselblad, <laughs> voilà, to share a few words with you. Hi everyone, it's so good to be here to share with you this exciting new partnership. I'd like si to begin by talking about our list. Uh, Since 1941, Hasselblad has been devoted to creating cameras that live up to our motto, Create to Inspire. And for 80 years, our cameras have been there to capture some of the most important moments and figures in the story donc, uh, of the world, nous avons capturé, including the first taps on uh, the moon. Années, uh, our goal is to continue pushing the boundaries of imaging technology. We're committed to providing consumers the highest quality camera systems that enable all no, types of creators no, no, to capture their artistic In the digital haute. age, we've come to realize the untapped potential of mobile photography, and wanted to help chart its future by partnering with a company Donc that nous shares nous our passion. Euh, OnePlus is that company. And the best part for us, we're ways to bring Hasselblad's iconic design and uncompromising image quality to mobile devices for more people. After months of efforts from both Hasselblad and OnePlus R&D teams, we're finally able to bring the Hasselblad camera from mobile to the OnePlus Nine and Nine Pro. This okay, is a camera system that combines euh... the most advanced mobile photography with natural color calibration developed with Hasselblad, Alors, delivering incredible and natural colors in Hasselblad dans le Together with euh... OnePlus, we want to create a smartphone experience of both unmatched performance and technological artistry making the OnePlus 9 series your best shot to capture your own iconic moments. Okay, donc, uh, To achieve this world-class camera experience, OnePlus also worked with some of our Hasselblad ambassadors iconique. during the camera R&D process. Oh, Hasselblad ambassadors are a selected choix. group of greatest professional photographers working today. In total, 12 of them press for now that have a long-standing relationship with the Hasselblad brand and our products. Donc Here's what they had to say des, about Hasselblad cameras them. Oula! Oula! Alors. Donc je pense qu'une euh, bonne photo, il faut qu'il y ait euh, de l'histoire dedans. Donc, être capable d'aller euh, dans les montagnes, il faut euh, avoir l'occasion de pouvoir capturer ces moments. Donc, ça veut dire avoir un appareil qui puisse résister au froid et à la neige compensating and searching for what we actually desire. Donc là to c'est euh, tout ce qui est couleurs et photos, euh, photos photo rapprochées. Donc là ce que vous, ce qu'il faut voir là c'est vraiment le traitement des couleurs. Donc, vous voyez qu'il y a c'est c'est les, les, les couleurs sont moins saturées mais en même temps elles ont un un côté assez fluide dans dans les transitions. Ici on a en fait uh, une uh, thank you, john, and thank you, pete. i'm so excited to tell you more about the OnePlus plus nine pro. as <laughs> pete non, said, oh. we've taken our biggest leap forward in creating a great smartphone camera with this device. over the years, smartphone camera technology has hein, a lot. Dans, dans fond, and developments in and computational photography aux have aux really pushed the limits of what smartphone cameras can achieve. but there's so much more we can do to make them even better. A great camera brings together two elements: the best technology and the most beautiful aesthetics. Photo, uh, has developed de its éléments, approach to color accuracy based uh, on years on of de, from expert photographers from the world. Des de chez Since late last year, we've been working closely with them to fine-tune the color of the OnePlus Nine series camera system at a level that's pretty much unprecedented in the smartphone industry. Together, we've managed to achieve. More natural color, with Donc a high amount of detail and dynamic range, de for a unique Hasselblad feel. Our natural color calibration with Hasselblad brings more perceptually accurate colors to photos taken with the OnePlus 9 series, or whether you're shooting with the ultra-wide, main camera, or even the telephoto lens. And we're not just Donc working with them on the engineering side either. A select group of Hasselblad ambassadors are also actively involved in the joint development process. These experts have shared numerous Ooh. sample photos and have given us plenty of really good subjective Ooh. feedback on color accuracy and photo quality. They've brought decades of experience in various types of photography to help improve the camera of the OnePlus 9 and 9 Pro. In fact, many of the sample shots you'll see today were taken by Hasselblad ambassadors. So well, Hasselblad, Hasselblad qui ont pris the Hasselblad les photos. On the partnership is also marketing. First, I want to show you something pretty spectacular. This incredible photo was taken by Lars Schneider, a modern-day adventurer who's captured some of the world's most remote landscapes. He's also a Hasselblad ambassador, and he captured this incredible scene on the OnePlus 9 Hasselblad camera from mobile. A photo of this quality is extremely difficult vert, to deliver hein, on a smartphone. Vert, but Lars was able rouge. to get this thanks to our natural color calibration with Hasselblad. And one of the largest sensors ever on a smartphone ultra wide camera. A bigger sensor gives you better imaging quality and lower noise. Ultra wide cameras and smartphones tend to have relatively small sensors due to limitations in lens design. But on the OnePlus 9 Pro, we've improved the design to accommodate a much larger sensor. In fact, it's even larger than the iPhone 12 Pro Max's main sensor. Ah, that makes for a massive upgrade in ultra-wide image quality, giving you photos that are clearer, crisper, and richer in detail and color, especially in low light. Donc, uh, Just look bon at pour, how little uh, noise there is in the OnePlus Nine Pro photos. Ouais, this 50-megapixel uh, uh, sensor in uh, the ultra-wide alone eux, offers better detail <laughs> than what you'll find in other devices. Check out the amazing level of detail when you zoom in. When you zoom back out. You can see exactly the level of detail that this huge sensor is capable of capturing. <laughs> voilà, donc, if you've used you used an ultra wide an before, you probably temble. noticed that what are supposed to be straight lines can often look pretty warped at the edges. Ça Ultra wide cameras on smartphones have about 10 to 20 percent distortion on average, which is a major problem. But it's no problem on the OnePlus Nine Pro. We've used a freeform lens with a series of unique curves that correct the incoming light, bringing distortion down to around. Ok. Moi ouais, j'ai été surprise aussi. Hein. Ah donc ça c'est un truc super intéressant. Donc c'est un c'est un freeform, un objectif en freeform. Donc ça ça permet en fait aux, aux photos en grand angle de ne pas être déformées. Et euh, parce que quand vous prenez des photos en grand angle, souvent en fait vous avez des courbes sur des lignes qui doivent être droites. Et donc, sur des photos d'architecture, par exemple, c'est super important. Surtout quand vous prenez des selfies aussi, vous avez le grand angle, vous pouvez voir sur le côté, en fait, des choses qui, sont, qui paraissent plus grandes. Comme par exemple, le chien tout à l'heure, avec, avec ses pattes devant, bah, vous avez des pattes qui sont énormes. <laughs> Ils ont mis un... un bouton orange, comme chez Hasselblad. This classy new watermark, oui, Freepam, the the same as a priori, uh, le même the same like By moving it to the bottom center of your photos, it gives you a more elegant way to capture the memories that you capture on the Hasselblad camera from mobile. And when we talk about elegance with the OnePlus 9 Pro camera, we really mean it. Our natural color calibration gives you the power to capture some truly remarkable shots. Donc, voilà, donc on revient encore sur, sur les, les couleurs. Ça, c'est des photos qui sont assez dures à prendre avec autant de couleurs. Hein. Quand on va du bleu au violet, à l'orange, plus la couleur de peau qui doit être bien rendue. Donc voilà, donc ça, c'est le capteur. Ah, celui-ci, il est exclusif, exclusif à OnePlus. Donc ce n'est pas tout à fait le même que chez Oppo. And further customizing those components to get the most out of them. Combined with advanced computational photography, I the best camera experience possible with the OnePlus 9 Pro. Donc c'est un capteur qui est plus gros euh, pour, euh, par rapport à la compétition pour un smartphone en fait. Donc les, les capteurs en fait selon les appareils changent et ça donne en fait une meilleure qualité de, de photos et les couleurs forcément sont bien plus le spectre des couleurs est bien plus large donc en 12 bits c'est beaucoup. moins. Hein. can be used to help focus Ooh, All of you the, the one plus 9 pro's main camera provides truly premium image quality just okay. check out these sample shots Ah ouais, donc euh, c'était euh, pratiquement dans la nuit. <laughs> début de soirée, photo de début de soirée. Donc c'est le moment où c'est super dur à prendre en photo parce que euh, les appareils photo en général, ils sont complètement perdus à ce moment-là. Donc là c'est il faut voir le, la différence entre les ombres et les parties ensoleillées. En général sur ce genre de photos, euh, les smartphones sont totalement perdus. On peut euh, soit on peut privilégier là où c'est ensoleillé, soit c'est là où il y a de l'ombre. En général, pour avoir les détails dans les deux, euh, c'est euh, difficile. Hein. Là, quand c'est du rouge comme ça, là, généralement, ça bave. Ça bave et euh, les couleurs sont beaucoup moins précises. Là, on voit bien les mailles du pull, enfin du, du gilet. <laughs> Donc sans editing. Wow. Ah, là, les détails de la peau. Pff. Ça va. Alors, la, la, la netteté est quand même très très précis. Euh, là, on voit bien la texture de la peau. Euh, il faudrait voir en fait en agrandissant ce que ça donne, s'ils n'ont pas... Euh... Ah, ça c'est rigolo Donc le tilt shift, c'est quand vous prenez euh, des, des photos et ça permet de faire hein, comme si c'était des, des jouets ou des Legos. Et euh, généralement, pour ça, il faut... Euh, c'est des techniques assez rigolotes à faire. A priori, on peut... il y aura un effet, euh, un effet intégré dans l'appareil. Portrait shots by the OnePlus Plus Nine Pro are also really nice and clear. But don't take my word for it. This photo was taken by Yin. Alors là, les photos euh, comme ça, détails, en fait, c'est euh, les, les détails des, et les des visages et euh, des rides des mains et tout ça. Là, on peut voir notamment dans, dans les, les nattes et, et tout, main tout main main ma ça. C'est magnifique, ces photos-là sont vraiment magnifiques. Là, c'est une photo en contre-jour. Photo en contre-jour avec le visage qui est quand même visible, ça c'est dur. Après, il faut voir s'il euh, y a des modes portraits. Euh, je ne sais pas, ils n'ont pas précisé s'il y avait des modes portrait euh, comme, euh, comme sur les autres smartphones. D'accord. Donc, euh, le, le zoom x30. Euh, bien sûr, un mode en noir et blanc, parce que c'est quand même assez blade. La caméra selfie. Ok, donc sur, euh, avec euh, les couleurs de peau euh, plus naturelles pour euh, la caméra selfie, heureusement. Ah, ça c'est bien ça. Ah, ça c'est bien ça. Enfin, on va pouvoir toucher au réglage. Donc un Pro Mode qui est intégré dans l'appli euh, photo de base, pas besoin de prendre un truc en plus. Donc on peut shooter en RAW, donc en brut, pour pouvoir retirer le maximum des photos qu'on prend. Par contre au niveau stockage, ça va faire, euh, ça va remplir plus vite parce que ça va prendre plus de place. We worked with Hasselblad to bring advanced sensor calibration to the OnePlus 9 series camera. Ah oui, donc on pourra aussi calibrer son, uh, son capteur. With all this combined, the camera experience of the OnePlus 9 Pro is a huge step forward for you photographers out there. But how about videos? Alors, en fait, les, les photos qui sont prises là, c'est fruit par par des cadors de la photo, donc euh, elles sont très très belles. Un petit peu retraitées, peut-être pas trop quand même. Et, euh, et après, c'est des, des maîtres de la photo qui prennent les photos. Donc forcément, quand c'est nous qui prenons les photos derrière, elles peuvent être un peu moins jolies. À ah, des vidéos qui seront mieux en 4K, 8K, en 30 FPS. Donc on pourra bien zoomer dedans, avoir plein plein de détails. Et ça, ça va occuper beaucoup de place. En 4K en 120 images secondes, c'est génial ça. Donc en plus, avec, euh, avec des contrastes et des ombres euh, bien appuyées, ah, ça c'est une nouvelle, nouvelle tech, du HDR en, en slow ouais, Ça c'est assez dur parce qu'il y a le soleil qui est juste derrière et euh, le, le sujet est toujours euh, visible au niveau du visage. Ah ça c'est rigolo ça, des hyperlapses. Hein, c'est un peu comme des time-lapses, mais en, en se déplaçant. Superbe les, le rendu des photos de nuit, là. là aussi, c'est dur à faire, en fait, en photo, à cause des, des néons rouges. Et en plus, il y a des lumières bleues. Donc, euh, généralement, sur ce genre de photos, euh, les capteurs, ils, ils savent pas quoi faire. C'est typiquement un genre de truc qu'on passe en manuel, à l'heure actuelle, en tout cas. Alors, donc c'est filmé avec un OnePlus. C'est joli hein. Mais ça va donner euh, encore une fois comme pour les... Ouh <laughs> Désolé <laughs> Oh purée, non j'arrive pas à regarder ça Ah non mais ça donne mal à l'aise. Je disais tout à l'heure que ça va donner euh, l'occasion à de nouvelles générations de, de cinéastes euh, de pouvoir se lancer dedans sans, sans avoir à dépenser trop trop d'argent pour commencer à faire des, des films ça se démocratise donc là euh, il faut voir aussi euh, le côté soleil et les côtés ombres qui gardent les détails on est presque on est pratiquement au, en pleine nuit hein, pour, pour les, les vidéos et là en fait on ne voit pas les, les artefacts ou les gros pixels c'est assez, euh, assez impressionnant quand même hein, pour un smartphone c'est euh... you get some of the most natural color ever on a smartphone thanks to Donc, natural color color calibration and 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 our natural. Our industry with the biggest and best sensor as well as our free form lens to practically eliminate edge distortion the OnePlus plus nine pro's hasselblad camera for mobile is built to help you take your best shot in fact starting in april we'll be kicking off a really cool competition. To help you share your best We love filters on our photos from time to time, but with the <laughs> natural colors of the OnePlus 9 series camera, we want to encourage you to show your own true colors through photography. Stay tuned to our social media channels for more details soon. What What can we Not only for the camera, but also because, well, it's a gorgeous phone. Ouais c'est impressionnant, faut, faut voir en vrai quand même, mais, euh, mais ce qu'il présente c'est très très prometteur. Le design est très très joli, hein. je trouve que c'est euh, très sobre et euh, le groupe caméra est, euh, est vraiment très élégant je trouve. Par contre, il n'y a pas des features euh, spéciales comme le Microsoft chez Oppo, par exemple, ou des zooms euh, totalement euh, incroyables. Mais donc, euh, ils, ils, ils se focalisent vraiment sur le traitement des couleurs et, euh, et ils mettent bien bien en avant Hasselblad. Là, pour l'instant, ils ont pratiquement pas parlé des autres features. Ils ont juste parlé de la photo. Hein. Ils ont pas parlé de, de, de la 5 g et tout ça là. You know Focus on every design aspect of each OnePlus product. Ah, on va du design. We aim to give our users a burdenless design that complements and adds value to their lives, rather than getting in the way. And one way we achieve that is through the most beautiful colors, the most premium materials and the most elegant finishes. Il est grand cet appareil. The overall design Donc voilà, on est sur un design en courbe. Donc on se démarque totalement des de iPhones. Vraiment, euh, les, les iPhones sont retournés sur les, les bords plats. Là sur comme chez Oppo en fait, euh, on est sur des, des bords qui, qui sont recourbés, avec un écran qui occupe pratiquement toute la surface. C'est assez étonnant quand même, hein. assez impressionnant pour euh, les téléphones qui ont, qui ont une si grande surface. Quoi. Donc, trois couleurs, en noir, gris et puis le vert qui est assez étonnant. Je ne suis pas sûr que je sois fan, mais c'est intéressant de proposer cette couleur. Un pine green, vert sapin, vert peint, plutôt vert peint, par sapin, parce que ça sent... Ah, avec un, un black matte. Ça, c'est une finition qui est très, très belle, ça. Donc, avec euh, pas de traces de doigts. Ça, c'est bien, ça. Pas de traces de doigts, parce que ça, c'est vraiment une vraie plaie hein, sur, euh, sur les, les finitions de certains objets. Alors, euh, celui qui fait le microscope, c'est le Oppo Fine, X, euh, Fine X3. C'est la conférence, conférence qu'on a vue euh, la semaine dernière, en fait. Donc, euh, ouh, donc euh, voilà, on est encore sur, euh, sur un verre qui va sur les bords. Ouais, alors les, les, les écrans recourbés comme ça, en fait moi je, je, je suis pas très fan parce que après pour mettre des protections, hein, parce que je mets toujours des protections en 9 H, euh, c'est pas terrible. <laughs> faut trouver le truc exprès et tout alors que protection plate en fait je trouve ça plus pratique. Mais bon c'est joli, c'est joli. <laughs> Allez, retour dans le passé. Ça, c'était des, des, des téléphones d'antan, pour ceux qui ne euh, connaissent pas. Hein. Ça, c'est les téléphones des de lieu. <laughs> ah, là, c'est quelques téléphones... Ils ne disent pas les marques, là, mais il y a quelques, quelques designs iconiques. Hein. Donc, on a eu euh, du Nokia, là, après c'était une Motorola, là c'est du Blackberry. 3310, ouais, si vous connaissez les modèles, tapez-les, le iPhone. Donc là, c'est le premier. Donc là, c'est... Euh... Oh, l'écran qui tue. Donc euh, l'écran qui tue. What will the future hold for us? Introducing the OnePlus 9 Pro with Fluid Display 2.0. It's time to take Donc, the next step. Le marketing c'est euh, le Fluid Display. From the industry's first 90Hz fluid display on the OnePlus 7 Pro. Allez, donne Donne-nous les détails. Donne 8... 120Hz. <laughs> Donc pour, pour ceux qui, qui y arrivent, ce qui est important dans ça, c'est quand vous quand vous quand vous faites ça en fait sur sur votre smartphone, le fait que ce soit qu'il ait plus de hertz, en fait, ce sera plus fluide et ce sera plus agréable à la vue. Donc le touch sera aussi beaucoup plus euh, beaucoup plus sensible. Donc euh, avec euh, donc ce sera adapté, ce sera adaptatif, non pas adaptatif, et ça pourra s'adapter par rapport à votre utilisation. Comme ça, ça permet à la batterie de ne pas être totalement essoufflée après euh, une ou deux heures de. Après une ou deux heures d'utilisation. Donc, ça pourra descendre jusqu'à 1 Hz, une image par seconde, si vous êtes par exemple en train de regarder. Euh une photo euh, tranquillement et que vous n'avez pas besoin en fait d'avoir les 100 Hz. Et bien sûr ça peut s'utiliser les 100 Hz pour les jeux. Et là on a un jeu qui tourne jusqu'à 120. Donc euh, c'est PUBG pour, pour info. Je connais bien le jeu maintenant. Donc ce sera bien sûr mieux pour jouer, parce que ce sera plus. Euh, plus réactif. Hein. <laughs> call of Duty Mobile et puis euh, autre chose aussi. Brawl Stars. Bah, euh, ce qui est vraiment, vraiment étonnant, c'est que le, le iPhone n'est qu'à 60 Hz en ce moment. Euh, Il propose tous, pratiquement tous les, tous les smartphones qu'on a vus là.

donc la techno s'appelle LTPO. Donc quand même, hein, il, il va fort. Hein. Nous, nous, nous allons sur une fluidité que vous n'avez jamais pu expérimenter avant. Quand même, hein. J'espère que c'est vrai hein, pour eux, parce que euh, ils vont... Les tests, ça va, ça va justement hein, voir si c'est vraiment vrai ça. Et voilà un Snapdragon. Donc euh, 888, c'est le modèle le plus puissant de chez Qualcomm. Donc c'est la même puce qu'il y a chez Oppo, qu'il y a aussi euh, chez des autres en gros. Donc euh, c'est chez des flagships. En fait, tous les flagships a priori sont avec un 888. Donc forcément, le Snapdragon est euh, un tech la 5G. Oui, c'est vrai, je suis, je suis d'accord que euh, la conf est moins dingue que le X3. Euh, alors, ça c'est bien ça. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, ça veut dire, bon voilà, ça va être connecté, vous êtes blindé pour le futur. C'est un peu moins dingue, mais quand même, c'est du lourd. Hein. Franchement, là, moi, moi je vois bien la bataille entre Oppo et, euh, et OnePlus. Après, il y a aussi le, le Rockfun 5, mais là, on est dans une catégorie à part. Alors, ça, c'est pour euh, la dissipation de la chaleur. Donc, cinq, cinq couches hein, qui vous permettent donc, de ne pas, pas chauffer et de brûler vos mains. mains. Ah, donc là, il compare avec le Samsung. Donc, euh, il, 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 les, les cibles à abattre, c'est euh, Samsung et iPhone. Hein. Donc, ils font quelques degrés de moins que, euh, le, le, Galaxy, que le Galaxy S21 sur ce point-là. Arnold Bennett wrote a book called How to live on 24 hours a day. In it, there is a quote. there is. What he didn't know is that there is this company called OnePlus giving you extra 500 hours per year. Oh. Huh. Qu'est-ce qui donne 500 heures de plus Ouh, la batterie 4500, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup hein, pour, pour une batterie de smartphone. On a vraiment par rapport à l'année dernière, je pense qu'on a fait un bon c'est leur nouvelle techno de rechargement. Là, il y a un débat là. Est-ce que le, le puits est vert ou est-ce qu'il est bleu? <laughs> Et en plus, il ne sera pas super lourd, même avec une batterie comme ça. Recharge de 65% en moins de 15 minutes et euh, pratiquement en pleine, 90% en, en une demi-heure. Donc, a priori, cette batterie est beaucoup plus performante, donc euh, il y aura 500 heures de plus de, plus de recharge, donc en sachant que les batteries ont une durée de vie, donc c'est pour ça qu'il il insiste sur ça. C'est devenu euh, la norme, à ouais, 4500 euh, pour, euh, pour une batterie, aujourd'hui, euh, si tu proposes moins, c'est vrai que... Euh, bon. Pour bon, un flagship en tout cas. are 50 watts wireless. Oh, le jeu de mots. En comparant des, Apple avec, en comparant des pommes avec des pommes, c'est une expression américaine, hein, mais c'est une façon de, dire, hein, de faire mention à Apple sans vraiment dire Apple. Donc euh, ça c'est le chargement sans fil, donc ce qu'ils appellent le Warp Charge. Ah, donc il peut se charger horizontalement et verticalement. Donc euh, le, le capteur, il n'est pas juste sur un seul endroit super précis. Donc en fait, ça vous permet vraiment d'avoir un petit peu plus de flexibilité dans le placement de votre smartphone quand vous le, quand vous le chargez sans fil. Il est marrant ce, ce gars, <laughs> j'aime bien. Non, mais il arrive à, à rendre euh, des, des chiffres de, de chargement intéressants quand même dans, dans, sa, dans sa façon de présenter. Ah, non, il va nous parler de RAM, de mémoire, mémoire vive. Alors, donc ça, ça part de, de la mémoire virtuelle. Donc, c'est-à-dire prendre une partie du stockage pour l'utiliser en tant que RAM pour pouvoir en fait charger les applis, les, euh, les instructions dans, dans les applis de façon plus rapide. Ah, non. Donc là, on pourra. <laughs> Donc il y a des petits trucs, euh, plein plein de petits trucs qui font que. Euh, qui utilisent les. Euh, la techno euh, qu'ils ont choisi. Et puis. A priori, la batterie ne sera pas euh, vidée euh, en, en rien de temps. Donc voilà, donc on a un smartphone avec un super processeur, une batterie qui dure longtemps, une caméra, euh, des caméras euh, qui tue et un écran de malade. <laughs> Alors c'est leur "This is really our best shot". Donc on attend là. Là, this one is for all of you who love OnePlus 9 Pro and who don't want to compromise ça, pour on performance yet OnePlus there are the other side the fence debate. You prefer flat displays. Well, OnePlus 9 has just that. Best of both worlds. Major breakthroughs from OnePlus 9 Pro including the all-powerful Hasselblad camera for mobile and 120Hz flat display. As for the display, I could tell you it is an OLED and list you all the specs, but really there are no bells and whistles, just a genuinely wow. Donc un OLED flexible way that won't feel a priori, uh, super lumineux, lumineux, quand même, binge watching weekends or binge watching weekdays, or when you're binge scrolling through social media every day. Speaking of frequency, you pick up your phone the more I than ninety uh... times per day. Il parle de, euh, du refresh rate en fait, hein, 120. Donc ce sera très agréable à prendre en main, mais euh, bon, si on met une coque de toute façon, ce sera, on le verra bien. Et ce qui fait que ce côté métal frame de OnePlus 9 est si magnifique, c'est le processus de métallisation. C'est un traitement pour donner ce look glossier, premium. Sur le donc, en gros, euh, les, euh, les matières. Oh, mais super! <laughs> super la présentation. Donc, des euh, couleurs euh, vraiment très belles. Alors, celle-ci, c'est euh, les modèles qui ne sont pas les pros. Ah, donc, avec euh, des couleurs et euh, des finitions euh, qui sont euh, très très belles, qui vous font penser à l'hiver. Celui-ci, c'est celui des couleurs avec la couleur de l'espace, le noir de l'espace. Donc, sont plus les verts, c'est ça le, le verdict. Mais et les couleurs sont vraiment élégantes. Hein. C'est vraiment Arctic Sky, donc euh, très glacé. Donc cela c'est les, les, les versions euh, pas pro. Hein. Donc euh, on est sur Now, sur les modèles qui the sont pas flagship. Ouais, la couleur de son pull a changé. <laughs> Vous avez vu ça Il est gris son pull là. Oui, des grilles. Truly relevant comparison. So we decided to take a sample shot at the same location with two different devices just to compare their camera quality. And the best way voilà, to do is by comparing it with your les... competitor. In our case, OnePlus Nine Pro. Ils vont comparer les photos entre no. le Pro et le, le normal. <laughs> Ça y est, le vert. Now that you're here, why don't we see whether your photo is the exact same quality as my photo? The colors on her outfit are absolutely amazing. The same thing with her natural skin tone. Ah ouais. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de détails dans les rochers et euh, ce n'est pas trop brûlé au niveau des, des hautes lumières euh, par le soleil et le orange est bien rendu. <laughs> ce délire sur le pull, <laughs> trop, trop, trop bon. Ah, donc euh, il dit non, mais c'est pas. Euh... <laughs> c'est pas l'appareil, c'est le modèle qui fait ça. Alors, c'est les, les mêmes photos, la même qualité de photos entre le flagship et le normal. C'est génial, hein. c'est génial si c'est vrai. Hein. Franchement, il y a juste deux, trois trucs de moins. À mon avis, il n'y a pas de téléobjectif, hein. et puis peut-être une ou deux features en moins. Mais si la qualité des photos est la même, ça, c'est une excellente nouvelle. Donc il euh, y a aussi le, le HDR en fait en, en, quand on filme tout à l'heure là qu'ils ont montré oh sans blague. C'est vrai ça. Le, euh, même dans le, le OnePlus 9 qui n'est pas le pro, il y aura le Snapdragon 888 donc c'est euh, le plus euh, le top de la gamme. Ça veut dire une rapidité de fou. Donc il faut voir la différence de prix entre les deux. Hein. Franchement, si, si celui-ci est vraiment... Euh, présente euh, tant de choses qui sont en commun avec le flagship, franchement, euh, ça va être une belle affaire. Il hein. faut, euh, faut voir quel est le prix. Mais, mais il, a vraiment, euh, il va vraiment euh, attirer pas mal de monde. Hein. Ça, là, euh, franchement, euh, 4500 au niveau de la batterie, euh, 120 Hz pour l'affichage, plus le Snapdragon, plus la qualité euh, des capteurs photo. Alors, il y aura peut-être. Peut-être pas, euh, pas euh, de téléobjectif et de trois autres trucs. Il hein. faudra regarder les specs en détail. J'ai <laughs> en train de craquer. Donc là, c'est le clip vraiment pour le, le 9. Hein. Normal, pas pro. Donc, c'est celui-ci, le flagship killer. Hein. Il reste sur le flagship killer, mais ils sortent quand même un flagship quand même. Donc avec le fameux écran, Il faut voir les tailles aussi. Ils n'ont pas précisé pour les tailles, euh, tailles d'écran et des smartphones. Il a l'écran incurvé aussi. Bah, le pro a quelques trucs en plus. Hein. C'est pour ça qu'il faut, qu faut voir. Euh, les, les specs en détail. Recharge sans fil aussi ouais, recharge sans fil aussi, tout à l'heure là ce qu'il a montré vers la fin là, le monsieur avec le pull vert bleu gris, euh, a priori c'est euh, vraiment euh, assez étonnant. Alors ceux-là c'est les pros, attention, là on est passé aux pros, là on est sur les neuf normaux. Et par contre, je trouve que c'est pas assez bien différencié au niveau, euh, au niveau du design. OnePlus TV was released in 2019. Oh, une télé? Ils, ils vont nous présenter une télé? télé. <laughs> it was an attempt to extend seamless OnePlus experience to other parts of the ecosystem. And may I say, it was a very successful attempt. OnePlus TV and its ability to seamlessly connect with the OnePlus device has been praised by many of you. Today we want to extend that experience to product you have been waiting for for a long time. OnePlus Watch. Ah, la so, fameuse montre. We put our heads together, thinking what a small watch should be. A small watch not be a smartphone. It's there to tell you time, to notify you about any incoming calls or messages, <laughs> and on the quality <laughs> of sleep and generally to track your well-being. Alors donc la smartwatch n'est pas là pour remplacer votre phone mais, mais aussi pour c'est surtout là pour vous assister. which hmm. C'est bien pour parouiller sur votre poignet. C'est mieux. Donc, euh, chaque euh, montre est polie à la main. Alors, euh, alors, Space Catch, le Samsung Galaxy S21 est très bien aussi. Après, ça dépend surtout... Euh, on est à des niveaux de qualité au niveau des smartphones, c'est assez ouf. Hein. Donc, euh, après, c'est vraiment une question de goût et puis une question de, de préférence pour les marques. Hein. C'est joli, hein? ça a une forme en fait, qui est plus, euh, plus proche des montres qu'on a à l'heure actuelle. Donc, euh... <laughs> Alors pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait un reportage au salon pro des écrans et à un moment donné, en fait, je montre justement des écrans ronds euh, qui sont faits par des, des, des fabricants en composants. C'est une des premières vidéos de la chaîne. C'est marrant de voir aujourd'hui, quelques années après, que, que ça entre enfin dans, dans des produits. Donc, une émission limitée. Alors, bon, ceci va coûter beaucoup plus cher parce que c'est fait avec du matériel euh, plus rare. Hein. Donc là, on rentre quand même dans le monde de la bijouterie et de l'apparence. C'est pour ça que ce genre de finition est important. Et aussi, hein, comme c'est des, des produits qui sont au toucher de votre peau euh, bah, pour une très très longue durée, c'est pour ça que le choix du matériel est, est, est important, encore plus important que pour un téléphone, je pense. C'est euh, sympa leur, euh, mmh. leur design de, de montre, là, je trouve. Hein, de, euh, Donc, ça, c'est euh, la finesse d'affichage. Donc, euh, c'est très très fin comme ça. Il va falloir s'approcher très près pour pouvoir voir les pixels. <laughs> donc on peut choisir forcément son design de montre. Ah, donc on pourra changer son la poignée, comment on appelle ça, sur la, la bande du poignet, le... comment on dit ça Oh, je ne sais pas le une... mot. The watch is beautiful, that's ah, oui. for sure. What about its features? <laughs> ah, we parler des fonctions. on the euh, design, du connected tout, with us in a way no other devices. The bracelet, it's voilà. Merci. on our skin. So with that in mind, we didn't just design the OnePlus watch for fashion, but it's a device that puts your personal well being front and center. This is a device loaded with sensors. Donc il y a beaucoup beaucoup de capteurs pour pouvoir euh, bah, voir euh, votre, votre état de santé. Donc euh, au niveau de l'oxygène dans votre euh, dans votre sang, ça, ça peut être euh, ça peut être intéressant quand même. <laughs> Cette montre donne l'heure. <laughs> oui, elle donne l'heure. Donc euh, voilà, ça va traquer avec une app euh, votre, la variation de l'oxygène dans votre sang. Euh, ça va vous rappeler euh, de vous lever pour pouvoir faire des exercices. Euh, quand vous dormirez, ça va pouvoir traquer vos cycles de sommeil. Et c'est, euh, ouais, euh, Void, c'est, bien les capteurs. Hein, ça existe depuis les premières Galaxy Watch, ouais, mais c'est pas, pas des trucs nouveaux. Mais c'est, s'ils ne le proposaient pas, ce serait un peu bizarre. Là, on est, parce euh, au... qu'ils présente en fait plein de, plein de, de, de fonctions. Qui font que voilà, c'est les fonctions qui sont les plus demandées, je pense. Hein. <laughs> donc voilà, donc ce sera connectable et tout. Ah. ah, elle est IP68, hein, donc on en parlait tout à l'heure là, donc vous euh, pourrez prendre votre douche avec, pas de souci. Vous <laughs> pouvez aller faire hein, du motocross avec, c'est bon. Mais c'est juste une partie de ça. On a déjà mentionné au début que votre smartphone ne peut pas et ne devrait pas remplacer votre smartphone. Il devrait, mais, vous connecter avec les smartphones. Donc ça se branche sur votre smartphone. J'aimerais bien connaître l'autonomie de cette smartwatch. Voilà, donc ça, ça, gère, ça gère vos notifications et vos appels et tout ça. Je pense que euh, le, si on choisit tel ou tel modèle de, de smartwatch, c'est... Euh, Vu qu'on la porte euh, au poignet, il y a quand même le, le design controller. qui compte. Sur quel OS est la montre euh, Je pense que, que c'est un de OS de maison uh, OnePlus, euh, donc euh, probablement, euh, je ne sais pas, un truc euh, dérivé de, de Android. Ah, on a vu un Amazon Prime Video. Donc eux, ils sont partenaires de Amazon Prime Video. Et on a vu euh, sur la page de il euh, y a euh, sur la page de Amazon, il y a des promotions, euh, des promotions sur, enfin de, de la pub en partenariat avec OnePlus. Ah, ça c'est rigolo ça. On euh, si peut détecter quand vous êtes en train de dormir et ça va éteindre la télé et, euh, et les trucs qui sont connectés euh, quand vous dormez à aux amateurs. Moi, ça peut me parler. <laughs> ouais, je sais pas, ouais. Est-ce qu'on téléphone avec sa montre Je pense que c'est plus pour regarder ses messages et tout, quoi. Hein. Euh, quand c'est connecté à ses Airpods et tout ça, quoi, quand on fait du sport, ça peut, être, euh, ça peut être pratique. Mais de toute façon, personne n'appelle plus les gens, maintenant. <laughs>

Mais ils euh, portent leur montre quand ils dorment. Alors, est-ce que tu es obligé d'avoir ton smartphone dans la poche pour, euh, pour te servir de ta smartwatch? c'est les types d'exercices. Bon c'est sûr qu'on sera beaucoup beaucoup à faire du parcours. <laughs> Donc voilà, vous pourrez nager avec, pas de problème, avec euh, avec euh, la résistance aux projections d'eau euh, jusqu'à un mètre. Là. En projection d'eau à l'immersion d'eau euh, jusqu'à un mètre a priori. 14 jours d'autonomie. Avec un petit Apple Watch, tant qu'on y est, on a vu une petite caméra Apple Watch. Elles sont jolies, hein ceci dit, elles sont le... au niveau du design, ça c'est peut-être un peu plus discret. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on porte une Apple Watch tout ça, on reconnaît tout de suite que c'est une Apple Watch. Celle-ci, le fait qu'elle soit, du fait qu'elle soit ronde, ça peut passer. C'est peut-être un petit peu moins connu.

que quand même deux très beaux smartphones plus une smartwatch. Est-ce qu'on peut utiliser la smartwatch sans le smartphone Est-ce qu'on peut l'utiliser en standalone Ça, je me pose la question. Oh, c'est joli. Il y avait une coque là. Ah, donc. Euh, ils fournissent. Euh, ah, pour les gamers, il y a. Ah, c'est rigolo ça. Donc, ils ont mis des boutons pour ceux qui jouent au jeu. Donc, c'est comme des gâchettes qu'on qu met euh, en vrai là, comme ça. Je sais pas comment ils vont connecter ça. Donc sûrement, euh, sûrement, par Bluetooth, ou je ne sais pas, ou par un système euh, sans fil qui, euh, qui permette en fait de détecter euh, ça. 160 euros. Ah, donc celle-ci, c'est la jolie avec le matériel rare. Ah, <laughs> il ne va pas nous donner le prix. Il a fait oui, restez branché sur notre chaîne. Ah, le prix des smartphones. Ah, quand même. Hein. Donc. Euh... 1000 euros pour, le... Euros pour le... le gros gros modèle avec euh, le plus, de... Le plus de, euh, de stockage et on était à 800 euros je crois pour euh, la version 9 tout court, quand même oui, ils sont moins chers que les autres, hein. ils sont moins chers que les autres, hein. donc euh, ils ont vraiment vraiment envie de s'installer sur le marché. Hein. Ils vont faire mal, à hein, mon avis. Hein. C'est... C'est... Enfin, par rapport aux autres, c'est très bon au niveau des prix. Hein. Très très bon. Non, le... Alors Christophe, le Cobalt édition, euh, non, ils n'ont pas voulu donner le prix. Il a juste dit, euh, euh, restez bien branchés sur notre chaîne, euh, on, vous dira, on, on vous en dira plus plus, plus tard. Euh, non c'est bien c'est bien c'est bien euh, franchement euh, de un flagship qui est finalement euh, en dessous des 1000 euros c'est en 2021 là on est euh, on est plutôt bien hein. bah c'est bien hein. franchement euh, plutôt euh, plutôt contente d'avoir vu euh, cette conf Elle était beaucoup plus sobre que ce qu'on a pu voir la dernière fois donc ouais maintenant maintenant je sais pas à choisir à choisir lesquels lequel prendre ça va être ça va être dur donc on a quand même des smartphones avec des, des systèmes de caméras qui sont bien bien avancés qui vont faire des photos de fou sur les deux ça qui est étonnant c'est sur les deux donc et le pro et le, le normal euh, donc euh, bien Franchement, ils mettent, ils mettent vraiment, vraiment le paquet et euh, c'est plutôt bien. Alors, donc, euh, Orange propose déjà en France. Ah, d'accord, ils font déjà des offres en France pour, euh, pour, euh, pour celui-ci. Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui, un smartphone à 900 euros, ça va. Et en fait, euh, il y a 2-3 euh, ans, ça aurait été beaucoup trop cher. Quoi, mais là, on est. Euh, on, est, euh, on a glissé vers des prix euh, qui sont beaucoup plus euh, élevés qu'avant et bon c'est un peu dommage. Quoi. Et encore une fois euh, sur euh, ces smartphones, si vous prenez en première nouveauté euh, dès le premier mois vous allez payer ces prix là. Ce qui est intéressant c'est qu'il faut attendre un peu. Donc, si vous n'êtes pas pressé d'avoir le, euh, les photos euh, euh, à la soldad <laughs> ou euh, le microscope chez OpPO et tout ça,' là, euh, si vous attendez quelques mois, euh, ces smartphones, en fait, ils vont baisser de prix euh, drastiquement. Et juste euh, euh, un an après, il va y avoir un autre modèle qui va être encore plus fou, et puis ça va créer encore l'envie euh, de l'avoir. Mais le, le smartphone déjà présenté, là, c'est euh, c'est toujours euh, quelque chose de bien. Et comme on est plutôt euh, ceux qui sont vraiment attachés à la nouveauté veulent vraiment le top du top. Ceux qui changent leur smartphone tous les ans, bah c'est ce marché-là en fait qui vise. Mais pour tous ceux qui n'ont pas envie de dépenser autant d'argent, bah vous prenez celui de, 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 de la génération d'avant. Et c'est toujours des très bons smartphones. Là, par exemple, pour le iPhone, tout le monde se jette sur le 12, alors que le 11 Pro est toujours un très bon smartphone. Ça, c'est juste des, des exemples. Et comme ce qui est Intéressant, c'est que sur ces marques-là, donc OnePlus, Xiaomi, euh, Huawei, euh, ouais, peut-être Huawei, je ne sais pas, je, je connais moins hein, Huawei, mais aussi euh, Oppo et puis euh, Samsung, même, les prix baissent beaucoup plus rapidement hein, que, euh, que chez Apple, par exemple. Donc c'est ça qu'il qu faut voir, en fait. C'est vrai que là, pour l'instant, euh, on est à un prix super intéressant. Donc si dans 3 mois, 6 mois, euh, le, euh, le, le OnePlus 9, déjà, euh, et proposé à je sais pas euh, au lieu de de 700 800 euros il est à 600 euros bah c'est c'est une belle affaire quand même et euh, ah il est déjà en test sur frandroid mais c'est normal <laughs> c'est normal parce qu'ils ont tous un nda ils ont un embargo euh, ils ont euh, en, en général les médias les influenceurs euh, qui ont pignon sur rue ils ont euh, ils ont les, les les modèles en test depuis une semaine depuis deux semaines mais l'embargo c'est euh, c'est aujourd'hui euh, la conférence le jour de la conférence et comme bah, moi j'ai pas eu l'occasion de les tester parce que je n'ai pas encore pignon sur rue peut-être un jour donc c'est pour ça que je propose ces, ces live où on peut suivre les informations en même temps et comme ça on peut, euh, on peut partager et puis regarder quoi. et euh, moi de toute façon moi j'aurais regardé ces, ces conférences et comme, euh, comme tous pratiquement sur les médias comme Frandroid et tout ça qui font un super boulot au niveau des tests et tout ça donc ils proposent leur tests juste là après la, la, la conférence donc voilà donc euh, moi je trouve ça rigolo de pouvoir le faire donc c'est comme au début ce que je faisais si vous regardez sur les, les, les premières vidéos de la chaîne je' regardais la conférence et je faisais un réclap et un récap en montant la vidéo forcément quand j'arrive après bah tout le monde a déjà balancé son test donc ça sert à quoi que je fasse un récap de conférence ça ne sert à rien. Donc, euh, ce n'est pas la peine qu'on qu vienne regarder ma vidéo sur laquelle euh, j'aurais passé euh, une dizaine d'heures. Ça ne sert à rien. Donc, autant que je fasse un live. Donc, c'est plus marrant parce que, comme ça, ça permet de découvrir les trucs et puis ça permet de voir la conférence. Et puis, vous, vous êtes là et puis ça, ça, ça permet aussi de partager avec vous euh, ce, que, ce, que, ce que je connais de, en photo. Surtout que là, en ce moment, sur les smartphones, ça parle beaucoup, beaucoup de photos et tout ça. Quoi. C'est pour ça que je me suis dit, bon allez, on fait des conférences live, des, des présentations en tech. Et euh, c'est intéressant. C'est intéressant de, 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 de prendre sous cet angle-là. Et donc après, moi, ça me permet aussi d'avoir de, euh, de, euh, une certaine voix sur, sur YouTube, sur, euh, dans le monde de la tech. Savoir qu'à l'heure actuelle, c'est très très difficile hein, d'entrer dans le monde de la tech sur YouTube en tant qu'influenceur ou en tant que média, c'est super difficile. Il faut avoir une vraie spécificité. Et moi, ma spécificité, c'est euh, la photo, <laughs> en gros. Et puis, une certaine connaissance, une certaine expertise. Et voilà, donc c'est pour ça que... Comme de toute façon personne ne peut en parler avant la conférence je me suis dit bah le moment d'en parler c'est pendant la conférence quand tout le monde a les infos en même temps y compris vous et comme ça c'est comme si on commentait un match de foot euh, dans, dans cet esprit là et comme ça vous ça vous fait comprendre un petit peu plus le, le truc plutôt que de voir euh, seulement le, le test du smartphone et puis euh, sans avoir trop euh, tous les les détails de, de, de la conférence et tout ça quoi donc voilà c'est pour ça donc je suis très très contente que vous soyez là et que, euh, que vous suivez euh, le live avec moi comme ça et euh... <laughs> et euh, ouais donc euh, donc voilà donc c'était rigolo donc c'est pour, pour ça là en ce moment comme en plus ils font de plus en plus d'efforts dans, dans la présentation euh, c'est vraiment vraiment très agréable donc, euh, on a quand même vu quelques conférences qui ont été bien, bien faites. Euh, celle euh, de, celle qui, qui, qui aura vraiment retenu mon attention, c'est vraiment euh, celle de Oppo. Quoi. Elle était euh, en mise en scène, elle était vraiment belle. Et puis, le, le, le smartphone avait vraiment des, des fonctionnalités très, très sympas. <laughs> Comme ça, on pourra faire des belles photos de notre logement pendant le confinement. Ouais! C'est le moment! Et le pull ah j'adore le, 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 le pull c'est vrai que euh, cette histoire de pull ça j'avais pas vu tout de suite, hein, mais c'est grâce à vous en fait que, que j'ai pu regarder que j'ai pu voir que sachant qu'il y avait le, le, le pull qui avait une particularité mais euh, c'est très très bien joué très bien joué. Alors le pull euh, je crois qu'il a commencé euh, il a commencé un peu vert non. Et puis il a un peu tourné vers le bleu et puis après il était gris à la fin pour, pour redevenir vert. Bah enfin, je sais pas. <laughs> pour regarder le replay pour, euh, pour en avoir le cœur net. Donc, euh... <laughs> donc Voilà, donc j'espère que ça, ça vous a plu quand même euh, cette, euh, cette conférence. Et euh, c'est quand même une, une bonne nouvelle sur, sur les, les prix. Donc euh, OnePlus reste quand même plus ou moins sur son, euh, sur son créneau de flagship killer. Il reste un petit peu en dessous des prix. Maintenant ce qu'il faut voir c'est euh, OnePlus Nord, qui est leur gamme euh, entrée de gamme, qu'ils ont lancée euh, l'année dernière, après qu'ils aient annoncé que OnePlus était finalement un flagship et plus un flagship killer. Et voir ce qu'ils vont annoncer. Donc, ce sera sûrement dans quelques mois. L'année dernière, ils ont annoncé les Nord euh, One Plus Nord quelques quelques mois après. Donc, euh, peut-être que là, ils vont annoncer un autre truc. Euh, je sais pas. Peut-être avec Hasselblad aussi, mais avec des capteurs euh, pas à 50 mégapixels, mais à 20 mégapixels. Et pour beaucoup moins cher. Peut-être. On ne sait pas. En tout cas, ça ça, ça donne ça donne de l'espoir. Merci beaucoup, Tim. Merci beaucoup. Et euh, vu que maintenant, les confs ne sont plus en direct, ils peuvent aussi se permettre de mieux travailler la présentation avec du montage vidéo aussi derrière. Mais oui, ça qui est bien aussi, c'est que... Euh, et il y a aussi le fait que, euh, comme les, les smartphones, euh, les fabricants de smartphones aujourd'hui... En fait, la... la, la comment dire L'équilibre mondial des fabricants de smartphones... Est en train de de, se, de, se, de se, le, le, le centre de gravité est en train de se déplacer doucement vers les, euh, vers les compagnies chinoises hein, que, qui étaient moins connues avant. Donc euh, ça. Et puis il y avait aussi euh, Vivo et puis euh, et puis d'autres euh, Redmi aussi. On n'a pas, on a pas regardé la conférence de Rémi. Et donc ça permet en fait à des, à des fabricants, à des marques qui ne sont pas de langue maternelle Anglaise, de pouvoir travailler leur présentation avec le confort de pouvoir refaire leur prise quand il y a besoin ça c'est bien ça c'est un ça c'est ça remet un petit peu plus d'égalité dans les conférences c'est vrai que quand tu as Apple qui est très très euh, en phase avec l'exercice des keynotes et ça fait des années et des années qu'ils font c'est des orateurs c'est des gars qui euh, des gars et des femmes qui euh, qui sont très très bons dans, dans la présentation parce que c'est dans leur culture, parce qu'ils ont été coachés, parce que sont, c'est c'est dans leur ADN en fait. Du coup, les autres marques qui passent après et qui sont plus ou moins obligées de passer sous le format conférence, c'est il faut plus de travail. Il faut c'est pas un truc naturel. Alors que là, sur sur des conférences où c'est pré-enregistré, ça permet de de pouvoir se de pouvoir essayer plus de choses. J'ai une mèche folle. <laughs> Ouais. Euh, C'était un agréable moment. Merci beaucoup. Euh, plaisant d'avoir tes commentaires en réaction en direct. Ouais, ouais, bah j'espère que ça, que ça vous apporte quelque chose. Un agréable moment. C'était génial. Merci. <laughs> C'était parfait. La, tra la traduction et aussi pour les explications. Ah, si, si ça peut aider pour, pour comprendre et tout, quoi. Parfois ils sont un peu. Euh, ils, parfois en fait les... Quand ils font les présentations, ils se perdent beaucoup dans, dans tous les détails techniques et machin et tout ça. C'est vrai que quand on lit la liste de chiffres, on peut être vite submergé. Euh... Alors, euh, c'était... Moins... J'ai moins bien aimé Exclusive de Orange. Ah, euh, je ne sais pas, ils ont, ils ont présenté un live chez Orange aussi hein, sur un... Un live en exclusivité et tout, à l'introduction de Hasselblad, NASA, et, et c'était génial. Ouais, bah j'espère que ça vous a plu. Hein. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est un, un thème qui, qui me plaît beaucoup. C'est pour ça que je m'étais dit que ça. J'ai trouvé que c'était intéressant à, à partager. Hey, bonjour Gino <laughs> Un peu en retard, c'est fini là, c'est fini. Mais bon, il y aura le replay, donc tu euh, pourras regarder. Il y a des trucs rigolos. Hein. Euh, alors, c'est un, un peu moins dynamique que, que sur Oppo, mais il y a quand même des belles annonces. Euh... Donc, merci Robbie, merci Kylian, euh... Ouais, le... <laughs> le pull, ça va, il, il, ça, il, ça va devenir à même, hein, ce monsieur. J'ai pas retenu son nom, mais il, il est très très marrant. J'aime beaucoup le, le style de présentation. J'aime beaucoup comment il a présenté. Ouais, bonjour Alex, j'avais pas vu que tu étais là. Euh... <laughs> Je déboîte. <laughs> Ouais, 1000 euros, Steph, ouais, ce que je disais tout à l'heure, 1000 euros. Euh, faut pas l'acheter maintenant, il faut attendre quelques mois. Il faut attendre quelques mois et euh, ça, va, ça va être beaucoup mieux. À la limite, à voir pour le futur, je préfère d'ailleurs le style de présentation de conférence. Bah, c'est euh, beaucoup plus agréable à suivre, je trouve. Euh, on est euh, et, et, et ce que j'aime bien aussi sur ces nouveaux formats de présentation, c'est que euh, l'intro... Euh, avant, en fait, sur les conférences, il y avait beaucoup euh, d'intro en chiffres avec oui, voilà, nous avons été les meilleurs du monde, nous avons pris tant de parts de marché, tant de machins et trucs. Et euh, sur, notamment sur les conférences, euh, Sony et Microsoft, <laughs> ça je m'en souviens encore, il y avait une demi-heure sur euh, combien on était bon et combien on était meilleur. Quoi. Et ça, ils ont euh, ils ont coupé. Ils ont tout coupé parce que ça s'adresse au grand public et plus qu'à des journalistes ou à des financiers ou des actionnaires. Donc, euh, donc sur la conférence là, ils ont mis en début des témoignages de, de, de personnes de super fans, mais ça reste, ça reste beaucoup plus court que ce qu'on pouvait avoir avant. Donc c'est l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Merci l'Espagnol, merci, salut Alors oui, Chris, les, les, la conférence avec tous les effets spéciaux rajoutés en post-prod, c'était OPPO. C'était celle dont, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Et c'est vrai que la conférence OPPO, ils ont vraiment assuré. Quoi. Ils ont vraiment assuré. Là, on était sur un style beaucoup plus sobre, avec, euh, avec, euh, avec des fonds euh, voilà, beaucoup plus épurés, mais parce qu'on est, euh, est dans le côté suédois, à blanche et tout ça. Il ne fallait pas que ce soit trop, trop euh, spectaculaire. Et quand on va chez Samsung, bah il y a ça va dans tous les sens, il y a de la K-pop et tout. Ah donc Orange a l'exclusivité sur sur le téléphone, c'est vrai ça Il va falloir passer chez Orange si vous n'êtes pas chez Orange. Ou alors l'acheter en standalone hein, mais euh, je pense qu'on va quand même faire un live sur la photographie ou les photographes qu'on aime. Ouais, ce serait intéressant, il faudrait que faudrait préparer ça, faudrait faire ça bien quand même. Oppo est nettement mieux. Ouais, je trouve que sur tous les smartphones qu'on a vus depuis le début là, les deux qui sortent vraiment du lot, c'est OnePlus et Oppo. Les deux qui sont qui vont vraiment vraiment casser la baraque, je pense que c'est ces deux-là. Ils, ils ont enfin ils ont vraiment vraiment quelque chose de plus. Au niveau. Euh, et puis ils présentent des produits et des photos vraiment qualitatives. Quoi. Donc. Euh, donc euh, bon, je, en tout cas, je leur souhaite tout le succès euh, qu'ils méritent. Et puis euh, qu'ils puissent. Euh, puis là, on sent qu'ils qu 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 se donnent des armes pour se battre contre les Samsung et les Apple. Quoi. Et euh, Apple, pour la prochaine présentation, ils ont intérêt à assurer. Hein. Vraiment. Hein. c'est Là, là, là c'est une des. Première génération où d'autres smartphones me font plus rêver que le iPhone. C'est vous dire. C'est vous dire. <laughs> c'est vous dire, hein, vraiment. Le, moi, je suis chez iPhone depuis euh, très très longtemps. Et là, c'est une génération où je me dis que il se peut que euh, je puisse avoir envie de changer. Si, je, si jamais je change de, de smartphone, parce que j'en je, avais parlé il euh, y a un petit moment déjà c'est que euh, donc j'ai un j'ai iPhone 10 ici. Et euh, ça fait déjà deux ans, deux ans et demi que je l'ai. Et euh, voilà, donc il est encore utilisable, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'au niveau photo, il n'est pas, pas super bien. Mais euh, voilà, aujourd'hui, pour prendre des photos dehors, j'utilise plutôt un petit appareil photo qui me donne une superbe qualité. Et euh, c'est vrai que là, quand je vois ces smartphones-là qui donnent des photos euh, bien, hein, je me dis que ouais. Ouais, ça donne envie quand même. Alors, euh, ouais. Alors, Frédéric, ça valait le coup Ouais, ouais, ça valait le coup. Ça valait le coup. Alors, très, très, très bonne présentation. Moins d'effets spéciaux que chez Oppo, mais euh, très belle présentation et euh, un prix euh, canon par rapport aux autres. Hein. Donc, moins de 1000 euros pour le flagship et, euh, et un modèle euh, pas flagship qui est euh, très, très bon. Euh, pour moins cher. Alors 17 mai, toujours pas de prix. <laughs> euh, je, ouais, peut-être peut qu'ils attendent de voir selon, selon les marchés. C'est difficile de, de, de placer le, le, le prix sur ça parce que là, sur, 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 c'est sur le modèle qui a, qu a un truc spécial au niveau des, des matériaux et tout ça. Et ça, en fait, ils le placent sur le haut de gamme. Donc sur le haut de gamme, ils ne sont pas censés se battre contre les autres smartwatch. Là, ils vont se battre sur le segment des montres suisses entrée de gamme. Et là, il faut qu'ils voient en fait euh, sur quelle gamme de prix ils peuvent, ils peuvent le mettre. Donc si le, le, euh, le normal est à 160 euros, il se peut très bien que cette, la montre euh, qui, soit, euh, qui soit plus sélecte, qui s'adresse à un public plus, euh, plus fortuné et qui veut du style et du paraître, ils peuvent très bien le proposer à plus de 300 euros, 500 euros, ce qui ne serait pas cher pour une montre suisse. Voilà. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils sont encore en, en pleine étude de marché. Alors, Apple, on parle sur iPhone 13, l'empreinte, son écran, il n'y a plus d'encoche, un écran complet, voici des rumeurs. Ouais, mais bah, il serait temps qu'ils qu enlèvent l'encoche Il serait temps quand on voit tous les écrans qu'il y a qui, 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 qui font pas, euh, qui n'ont qui, qui pas cette encoche, mais ce serait il serait temps qu'ils le fassent. Franchement, le design des téléphones, un écran, et c'est tout. Euh, et c'est tout, le tout dans une coque de protection. Ouais, 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 c'est vrai. Euh, il faut mettre dans une coque de protection. Ça, je vous encourage à mettre dans une coque de protection. C'est très important. À moins que, <laughs> que vous ayez un smartphone qui résiste à tout euh, sur lequel vous pourrez rouler. Euh, c'est quoi les prix C'est moins de 1000 euros. Uh, Asselblad pour OnePlus, uh, ouais, donc euh, voilà c'est bien c'est bien ça, 799 pour le normal et 990 pour le flagship et uh, ça c'est, après c'est selon si on prend celui uh, qui a plus de, uh, plus de stockage ou pas aussi, donc ils ont à chaque fois deux crans pour, uh, pour, chaque, uh, pour chaque modèle et uh, ils n'ont pas trop insisté sur, sur la 5G et tout ça quand même, hein. donc... Uh... Il y a les, les deux sont 5G et les deux ont un Snapdragon 888, donc super rapide. Donc le, le normal, euh, il est à des spécifications très élevées pour un normal. Et il faut voir encore si, quels sont les trucs qu'il a de, de moins. Par contre, ils n'ont pas parlé de stabilisation sur, euh, sur les smartphones. J'espère qu'il y a de la stabilisation. Ouais, ils, ont, on, ils ne se sont pas beaucoup étalés là-dessus, donc <laughs> on va peut-être avoir une surprise. Euh, c'est pas le prix d'une Rolex, ouais. <laughs> ouais, mais les, les gens qui prennent une Rolex, euh, je suis pas sûr qu'ils prennent euh, une OnePlus euh, smartwatch. <laughs> voilà. Euh, 3GS, je suis retourné sur Android en moins de 6 mois. Mais Android, là, j'ai je... réessayé Android il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et euh, voilà, je, je, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement c'est ça, ça a beaucoup beaucoup euh, évolué et maintenant on est sur des OS qui sont quand même bien au point. Euh, donc euh, ouais. La dernière carte à jouer de Apple est de mettre de base un wallet crypto avec la monnaie, <laughs> avec la sécurité made in Apple. Et le tour est joué pour eux. Je ne me contenterai pas, je me contenterai de 10% de com pour l'idée. <laughs> ouais. Ouais, Alex, il faudrait que tu, tu, tu ailles euh, que tu leur proposes des, des services de consulting euh... ah, les tests sont tombés ah, ça c'est génial est-ce que, euh, est -ce que on... vous êtes encore 149 est... oh, ça va, il n'est pas trop tard chez moi hein, encore 149, est-ce qu'on regarde des tests j'ai du mal avec Android j'ai euh, aidé un couple avec leur téléphone c'est assez compliqué je trouve en fait, il euh... faut s'y faire il faut vraiment s'y faire euh, faut s'y faire. Donc euh, moi, je suis j'étais pas fan et puis euh, en fait en, en, là, je m'y suis mise et c'est c'est vrai que c'est pas si mal que ça. C'est vrai que quand on a des habitudes sur a, sur uh, iOS, c'est euh, c'est pas tout à fait la même chose. et euh, après, je pense que c'est vraiment un truc, euh, truc à faire. Ah, Est-ce que vous voulez qu'on regarde euh, un test, euh, un test OnePlus euh... <laughs> On va regarder qui c'est qui, qui a tout ça. Alors, on va chez qui <laughs> On va chez qui on a le droit de faire ça ou pas sur YouTube Je pense qu'on a le droit quand même. Euh, alors, il y a deux mois, il y a deux mois. Il y a 24 minutes. C'est qui ça euh, Ah non, c'est. Mais un... je le veux en français. Il y a 27 minutes. Chez Phone Android. Ça vous dit ça Le monsieur, il a l'air sympathique. Attendez, il bon, faut que. <laughs> c'est une, machi... une machine à écrire. Fouah, on va chez Phone Android. Euh, ouais je sais pas qu qu'est-ce qu que vous préférez ouais je euh, unbox thérapie euh, je regarde de temps en temps quoi mais, euh, mais en fait c'est pas c'est pas mon préféré euh, et euh, alors il y a Brandon euh, Jojo le geek ah non ça c'était il y a trois semaines alors voilà on a frandroid phone android ou brandon qu'est-ce que vous préférez donc euh, phone android phone android c'est lui là c'est ça euh, attendez ouais alors phone android ou fran android phone android bon on va aller chez phone android c'est le premier on va le récompenser ok maintenant vous avez la pub and <laughs> android ou bon. <laughs> Salut à tous, c'est Goran pour Fun Android. Bonjour Et Goran. Bienvenue sur la première vidéo de la chaîne de cette année. Alors bien évidemment, on vous souhaite plein de bonnes choses pour. Ah ce non, c'est pas bon. Année. Nous, on sait qu'il y a plein de choses. Ah non, c'est pas bon. Excusez-moi. Celui-ci, c'était il y a deux mois. Donc en fait, on va plutôt aller voir euh, celui-ci. Euh, ouais, c'est lui. <laughs> miroir, mon beau miroir, quel est le meilleur smartphone est-ce que c'est celui-là Salut à tous, c'est Pierre de Fond Android et aujourd'hui on va parler d'un smartphone que vous êtes beaucoup à attendre. On parle bien sûr du OnePlus 9 Pro. OnePlus vient d'annoncer ses deux nouveaux smartphones haut de gamme. On a le OnePlus 9 classique et le OnePlus 9 Pro qu'on teste aujourd'hui. Donc le voici, il est beau, ça fait une semaine qu'on le teste et donc on peut maintenant... Donner ah bah, un avis ça fait une semaine qu'il a, hein, donc euh, il, a, il a bien 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 exploité je pense. Euh, OnePlus vous avez habitué à des tarifs vraiment euh, très agressifs. Là, on a un téléphone qui est disponible à 919 euros ou 999 euros selon les configs. On attend vraiment à un téléphone impeccable sur tous les points. Avec ce OnePlus 9 Pro, la Martino finlandaise s'attaque vraiment au marché de l'ultra haut de gamme. Par exemple, en, en s'attaquant au Huawei Mate 40 Pro ou alors au Galaxy S21 Ultra. On a une. ça fait 18 minutes. Hein. On va peut-être passer un petit peu plus tout ça là plus En 1440p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On a un Snapdragon 888 et surtout, on a un nouveau module photo conçu en partenariat avec la marque suédoise Hasselblad. Le OnePlus 9 Pro ainsi que le OnePlus 9 classique sont les deux premiers... On va passer à la conclusion directement. donc bien entendu... Bon alors qu'est-ce qu'on peut en dire au final euh, de, de, de ce téléphone euh, Nous on l'a utilisé pendant une semaine, on a listé euh, tous les points faibles et les points forts, vous l'avez vu. Écoutez on a un très bon téléphone, pas excellent et c'est un petit peu dommage. On a un téléphone qui prend des belles photos avec un bel écran puissant mais on a un smartphone qui malheureusement ne... ne Tient pas vraiment en termes d'autonomie, c'est pas catastrophique, hein. mais on en est pas loin quand même hein, de la catastrophe. Après, ça dépend de vos usages. Si vous avez l'intention d'acheter <laughs> le chargeur sans fil, ou que vous en avez déjà un ou un plus et que vous avez le réflexe de le mettre votre téléphone sur le chargeur euh, à chaque fois que vous arrivez devant votre PC, euh, ça peut le faire. Après, pour le reste, on a un excellent téléphone, euh, un excellent écran, très bon photophone, un smartphone puissant qui maîtrise bien sa chauffe. Nous, on considère que c'est un excellent téléphone, mais qui ne se hisse pas quand même au niveau de la concurrence. On n'est pas au niveau d'un S21 Ultra qui, même si l'autonomie n'est pas folle, euh, fait quand même beaucoup mieux. C'est étonnant ce qu'il dit de... quand même euh, pour l'autonomie parce que c'est. Euh... Euh, dans l'ensemble, A priori, ils ont. Euh... Positif. A priori, <laughs> ils ont beaucoup <rire> travaillé <rire> dessus. <rire> non écrit, Vous pouvez le retrouver sur cette description, sur Fondroid. Fond vous aurez les données écran, vous aurez les benchmarks, aussi les photos prises par le téléphone parce que ça, c'est important. Si vous avez la moindre question sur le OnePlus 9, <laughs> n'hésitez pas à la poser dans les commentaires on y répondra. Sur ce, on va vous laisser. Il y a d'autres produits qui arrivent très bientôt. Je crois que Xiaomi a annoncé 2-3 trucs il n'y a pas longtemps. Donc voilà, si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous, activez la petite cloche et surtout restez à l'affût. Et sachez aussi que le test du OnePlus 9 classique arrivera très bientôt aussi sur notre chaîne. Sur... D'accord, donc ça c'était le pro. Donc euh, a priori, euh, bien ce tout rapport, sauf l'autonomie, ce qui est un peu étonnant quand même par rapport à, par rapport, euh, à ça, quoi. À, par rapport à, à ce qu'on a vu de la conférence. Donc voilà donc euh, bon on va on va regarder ça en détail et puis euh, et puis euh, ouais ça, 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 ça m'étonne un peu quand même et euh, mais bon on, on va on va voir tout ça et euh, <laughs> pour voir plus de tests hein, là on a juste vu un test euh, donc euh, et puis il faut voir en vrai quoi, donc euh, mais bon on va euh, c'est étonnant ouais, je suis d'accord pour une batterie à 4500 euh, à 4500 ça paraît étonnant, mais euh, bon, on, on va on va voir. Euh, c'est après les, 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 les tests. Euh, je sais pas en fait si euh, par exemple parfois c'est sur des protos ou sur euh, sur des modèles qui sont pas encore euh, pas des modèles commercialisés ou tu, enfin tu sais pas quoi. Donc euh, bon, on va. Il faut voir le, plusieurs avis. Voilà, donc euh, moi avec moi, vous avez pu suivre la conférence. Donc euh, maintenant, vous savez un petit peu plus ce, qui, ce, qui, ce que le téléphone propose en spécification. Après, si vous vous êtes intéressé par acheter un smartphone, moi je vous conseille quand même de regarder les tests qui vont bien. Si vous avez par exemple des modèles que vous avez repérés bah, suite aux conférences qu'on a vues, bah, comme ça après vous pouvez vous renseigner un petit peu plus. Quoi. Donc, moi pour l'instant, euh, je pense que euh, dès que je pourrai, j'irai en boutique pour, pour, voir, euh, pour voir les bêtes, pour, pour les essayer en vrai. Et, euh, et puis voilà, quoi. donc moi ça me, fait, euh, ça me fait plaisir de suivre tout ça avec vous. Donc, j'espère que ça, ça vous a plu à tous. Et euh, on se retrouve donc demain encore pour un autre live. Là, ça va être un live jeu vidéo. Euh, c'est euh, le AG French Direct. Euh, donc, c'est euh, Actu Gaming qui, qui fait euh, une présentation à la Nintendo Direct de euh, euh, studios indépendants français. Euh, donc, c'est super original comme. Euh, comme. Euh, comme euh, comment ça Comme euh, du comme démarche et euh, je trouve que euh, c'est bien donc on va suivre beaucoup de, de, de jeux indé et dans le lot il y a quand même des grands noms quoi il y a Dotemu donc euh, moi j'aime beaucoup Dotemu ils font ils se sont fait connaître par euh, par faire des conversions de jeux rétro euh, et euh, ils ont fait euh, récemment Street of Rage 3 et euh, très très bien et dans le lot il y a aussi Microids, il y a Arcane et, euh, et il y a 35 studios, donc ça va être une conférence d'à peu près une heure, à peu près, à peu près un petit peu plus d'une heure, avec plein plein de jeux qui s'enchaînent, donc on va voir quelques concepts bien sympas. Voilà, donc ce sera demain. Et euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour avoir, été, euh, pour avoir été là, et puis euh, je vous dis euh, à bientôt, et euh, on se retrouve donc demain. Merci à tous.